Salut amateurs de football! Vous êtes avec la gang de Le Blitz NFL, le groupe de passionnés québécois qui commente les dernières nouvelles de l'univers du football américain. Venez nous voir sur leblitznfl.com. Little secret. Detroit is a football town, but don't just take it from me. Thanks, Barry. Detroit picked me. Detroit picked me. Detroit picked me! This city embodies everything I bring to my job energy, passion, and grit. Detroit picked me. Detroit picked me. I picked Detroit. I picked Detroit. Detroit picked me. Detroit. Having the NFL draft in Detroit is going to be great because they're going to get to see a fan base that's going to embrace the NFL draft like no one ever has. I picked Detroit. No, wait a minute. Detroit picked me. The pick is in. The pick is in. The pick is in. The pick is in. No. mesdames et messieurs mesdames et messieurs, voici votre animateur Tony le Blitz hey comment ça va toute la gang bon lundi bon lundi la gang j'espère que vous êtes content d'être là parce que grosse soirée en tout cas j'espère les clips sont pas faits et fait effet parce que tantôt mon Vince, cochon il y avait de la misère de se connecter. J'espère que ça va marcher. En tout cas, mon labris, il n'aimera pas ça parce qu'on va le voir sur un cellulaire dans un char. On sait que nos expériences comme ça, des fois, ça marche plus ou moins. Comment ça va, la gang? J'espère que vous avez passé un beau week-end. Bon lundi, 8 avril, les amis, journée, euh, journée de l'éclipse. On est, on est tous vivants. Tout le monde va bien. Donc, euh, j'espère que vous avez passé une belle journée. Il y en a qui ont vécu ça. Euh, moi, j'étais dans le sous-sol. Il faisait noir hein, à un moment donné. Il fallait j'allume les, lumi les, 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 les lumières. <laughs> Comment ça va, Pierce22, fan des Ravens, Burger Time? Merci, merci mon Sam et Peinture Bérubé. Cette émission, le Blitz, est propulsée par Peinture Bérubé, la famille Bérubé, Burger Time, Big Will, PID 67. En tout cas, où que vous soyez et quelle que soit la manière. Donc, vous nous écoutez. Merci d'être avec moi avec le Blitz NFL en ce lundi. Donc, le stream, donc, on vous transmet notre passion sur le football. Et ce soir, nous avons pour une première fois un invité de marque de Québec. Oui, de Québec. Ils sont, ils sont populaires, ces gens-là. Mais en tout cas, j'espère que ça va marcher. Je suis un peu stressé si jamais ça ne marche pas. Je suis un peu intimidé parce que c'est un animateur de longue date, notre ami Vince. C'est un connaisseur de football, euh, un passionné de sport. On va, on va apprendre à le connaître davantage. qu'on va passer une soirée avec lui. Euh, mais nous, moi et Vince, on se connaît depuis longtemps parce que avec le BlitzNFL.com de 2012, non, de 2014 à 2021, à chaque année, on faisait un mock draft des fans, un repêchage simulé des fans où j'avais 32, 32 fans de le Blitz NFL qui jouaient le rôle d'un DG pour choisir un joueur comme le, le, le au repêchage. Donc, il simulait le repêchage qui s'en venait. Donc, ça fait, il a fait... Vince a été le DG des Raiders pendant 8 ans. Donc, sur le Blitz NFL, on s'est connus, mais en, en s'écrivant, mais on ne s'est jamais euh, parlé de, en personne dans le même virtuel. C'est quand même drôle. On correspondait. Tony le Blitz était quand même dans l'ancien temps. Fait que, mais j'espère que ça va marcher. On va apprendre à le connaître. C'est un fan des Raiders. On va parler de ses Raiders. Puis on va parler un peu de, de lui, sa vie professionnelle, sa vie carrière, sa carrière dans les médias. C'est un gars de Québec. Donc euh, on va en entendre parler pas mal. Donc je, merci d'être là, toute la gang. On va passer une bonne heure ensemble. Euh, à ce niveau-là. Donc on salue également Virginie, comment ça va Virginie La belle Virginie fan des 49ers, merci d'être là. Le King La Wellington, comment ça va mon André Fan des Dolphins comme moi, Burger Time, comme vous connaissez, c'est un fan des Packers. Nos modérateurs, Labri Tempo Sexy Jimmy sont là également. Donc merci d'être là Labri fan des Packers, Sexy Jimmy, pas de fan d'équipe, mais c'est un anti Steelers. Donc Vince, est-ce que tu m'entends Est-ce que tu m'entends, Vince Il m'entend, mais moi je l'entends pas. Ça, ça va pas bien. Ça, ça va pas bien. Ben. Ça va pas bien. <laughs> C'est tu moi le problème Je sais pas. Euh, tata tata, tata. On va faire quelque chose là. Euh, donc, ça sera pas long parce que je veux vraiment que ça marche sur notre affaire. Parle-nous Vince. Euh, je pense que je t'ai le tourné. Ah, yes sir. Ok. Right. Donc, euh, je suis en train de saluer mon monde. Fait que reste dans notre loge, dans notre green room, mange les sandwichs pas de croûte. Puis je vais être avec toi dans deux minutes. <laughs> Alright, donc on l'a entendu, la gang. On est avèse de l'avoir. Fait qu'on va aller le chercher notre Vince euh, dans quelques secondes. Donc merci d'être là, toute la gang. J'ai tout oublié. Wolverines, fan des Patriots, Comment ça va Donc ça a été tranquille la dernière semaine dans la NFL. Une chance parce que depuis deux trois semaines, ça, avec le marché des des joueurs oh. autonomes, ça a roulé. Fait que euh, puis là, on, ça tombe bien. On a un excellent invité. Fait que j'ai bien hâte. Comme j'ai mentionné, je suis excité, je suis intimidé aussi. It's Donc, euh, euh, it's time. mon ami Bruce Buffer qui dit It's time d'aller le chercher. La Britney qui dit quelle voix facile à reconnaître notre Vince. Ben oui, c'est ça. Donc euh, non, Tony LeBlitz, non. Hein? Fait que sans plus tarder, on va aller le chercher notre ami. On va aller saluer, accueillons notre ami Vince. Cochon de Québec. Comment ça va? Ça va très bien, toi, Tony. Ah, yes, sir. Ah, ta, ta couleur. J'ai failli, failli mettre un T-shirt des Raiders pour toi, mais je savais que tu étais bien... Euh... Merci d'être là, Vince. C'est plaisir. T'as de l'air euh, en forme? Ben, ça fait au moins 24 ans que je suis plus en forme, mais je suis content d'être là. <laughs> Toute la gang, vous vous attendez vite. Est-ce que c'est correct, la gang, dans le chat? Solide. Tout le monde est content de t'avoir. C'est drôle, Vince, parce que j'expliquais avant que tu arrives, on se connaissait depuis plusieurs années avec le fameux mock draft des fans, le Blitz NFL. Tu le DG des Raiders, on s'écrivait, mais on n'a jamais eu la chance de parler de vive voix comme ça. Fait un gros merci d'être là, Vince. Ben, tout le plaisir est pour moi. Le football, c'est l'année longue. fait que Toutes les raisons ça, sont bonnes pour jaser. Là. Ça dort jamais. Hein? Ça dort jamais. Jamais, jamais. Fait que, euh, donc, euh, est-ce que tu connais le concept de Twitch? Ouais, plus ou moins. Je, ouais, ok. Tu es à l'aise avec peu importe ce que tu me proposes. Mais... <laughs> non, mais c'est parce que les gens, des fois, sont. Euh, moi, ça fait, deux, ça fait trois ans que je fais ça. Donc, euh, c'est une communauté que les gens arrivent dans le chat. C'est comme une ligne ouverte, mais par écrit. C'est parfait. Fait que, fait que, euh, fait que pendant qu'on va jaser, euh, ça se peut que les gens ont des questions pour toi, mais j'en ai préparé quand même quelques-unes. Euh, on va avoir une zone de questions à Rafale sur les Raiders. Puis toi, parce que pour les gens qui ne savent pas, Vince, tu es, es un coach de football. Je ne sais pas si tu coaches encore. Tu coaches ça encore. Coach? Euh, tu très, très partiel. Euh, c'est ouais. sûr que j'aime ça aider euh, mes allemands mater. OK. Euh, que, ce Garneau, euh, que ce soit Carnot, que ce soit SSF. Euh, euh, mais euh, ça, pr ça prend beaucoup de temps. Puis ce qu'on demande aux jeunes, c'est d'être tout le temps là, 100 tout le présent. Puis je n'étais plus capable de donner ça. Donc, tu ne peux pas euh, enseigner aux jeunes, même si j'aimerais ça être temps partiel. Mais un coach temps partiel, ça n'existe ah, pas. Ça. Non. Donc moi, j'arrêtais en 2019. Okay. Euh, L'année euh, de Garneau, le bol d'or qu'on me grassait avec Sénécal puis Mittal. Wow. Puis euh, j'étais très fier des kids cette année-là. Ils sont allés jusqu'au bout qu'ils pouvaient aller. Puis... Euh, mon emploi me prend beaucoup de temps quand même. C est, c est des... Mais c'est sûr, ça me manque toujours. Game day, ça va toujours me manquer. Le seul point positif d'arrêter de coacher, je pense, c'est que tu étais samedi pour regarder la NCAA. Ça, c'est magique. Oui. Ça faisait des années que j'avais pas eu la chance de faire ça. Donc, ça m'aide beaucoup dans mon emploi, C'est aussi, qui reste la, la chose la plus importante. Excellent, excellent. Donc, pour les gens qui ne savent pas, euh... Vince est à l'air d'aller se coucher parce qu'il y a une émission à tous les non, jours. Non, 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 c'est pas vrai. Ça. <laughs> non, ben, tu oui, il oui, oui, faut dire ça. Oui, c'est bon. <laughs> c'est ça. Bientôt, je vais aller <laughs> me coucher. C'est bon, ça. C'est bon, c'est euh, March Madness, à 9h20, je pense. Oui, euh, toi euh, avec. Ben c'est ça. On a, non seulement tu es un fan de football, tu es vraiment ouais. passionné de sport, mais pour oh, les gens oui. qui ne le savent pas, parce que. En tout cas, qu'est-ce qui est drôle avec cette communauté-là que j'ai sur Twitch, Vince? J'ai beaucoup de gens de Québec. C'est incroyable. J'ai beaucoup de gens de Québec puis beaucoup de fans des Cowboys. Je ne sais pas qu ce que je leur ai fait. Mais en tout cas, tout le monde est content. Ils m'écrivent en privé Hey, tu devrais avoir Vince Cochon dans ton émission. Puis là, il y en a un autre qui m'était Hey, tu le connais Je me dis Ben oui, à cause de tout ça. Fait que, en tout cas, bref, à tous les jours, du lundi au vendredi, de 5h30 à 9h, je ne sais pas comment tu fais, là, à NRG 98 9 le boost à Québec. Euh, bravo, chapeau. Ça fait combien d'années que tu es là Là, ça va faire ma quatrième complète en juin. OK. Avant ça, j'étais à Radio X pendant, je te dirais, 17 ans. Ça, c'est le bout que je t'ai payé. <laughs> <Et> euh... <laughs> non, ça c'est vraiment... La radio, c'est super le fun. c'est Le mot des médias, c'est... Puis, c'est pas compliqué de se lever le matin pour faire ça. Surtout, bien entouré, j'ai une très belle équipe. J'adore pierre Pierrick, l'animateur. C'est vraiment un kid qui a beaucoup de talent. Donc, euh... puis... Euh... Non, c'est vraiment pas compliqué. Probablement que la plupart des gens qui nous regardent présentement ont des jobs plus compliqués que la mienne. Ah, sûrement. Puis, euh, non seulement tu es avec Pierrick, est-ce que Marie-Christine est encore. Parce que ben oui. moi, à cette heure-là, je. Je dors puis je commence à travailler. Que... Oui, puis ici, c'est notre doyen. C'est tellement vieille, puis... et est plus vieille que moi. C'est <laughs> une fan des Colts, j'ai vu ça. Oui, oui. Là, là, la prochaine fois que je t'invite, il va falloir qu'on l'avoir, Marie-Christine. Parce qu'on a. Ah, ça va faire on, a, on, oh, a on a à ça. peu près une centaine de personnes qui nous suivent. Euh, mm -hmm. Puis j'ai fait comme tout l'inventaire le, le, des équipes. J'ai seulement un fan des Colts. Okay. Euh, j'ai seulement un fan des Raiders. J'en ai pas beaucoup. Euh, beaucoup, euh, beaucoup de cowboys, comme j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Euh, je l'aurais fait. Mais euh, beaucoup de Packers. On a beaucoup ben de oui. fans des Packers, donc c'est le fun. Mmh, les PQS bon. aussi, c'est tout à fait normal. Healers donc, sûrement aussi. Euh, les Bills. Pas tant que ça. Oh. Qui nous suivent, là. Peut-être qu'ils nous suivent ailleurs, parce qu'on est un peu partout, fait que je sais pas s'ils ont peur de venir sur Twitch, fait que là, je sais non. pas parce non, que... Non, les fans des Bills, ils ont peur de rien, <laughs> Non, non, mais c'est ça, je comprends pas, c'est pour ça. <laughs> Donc, tu parles un peu de tout, je regarde un peu tes, je regarde un peu les, les... comment on dit ça? Les... les petits vidéos, là, comme là, la semaine passée, euh, j'ai vu une affaire où tu as fait un top 10 des roues. Top 5, ouais. Top on 5, fait des top 5 à chaque, à chaque jeudi, sur peu importe le sujet dans le sport. Ça peut être historique, ça peut être cette année, ça peut être actuellement, ça peut être okay. n'importe quoi. On s'amuse avec ça. Puis comment tu te prépares à ça? Parce que là, je, je, comme j'ai dit, je suis intimidé parce que ça fait au-dessus de 20 ans que tu fais ça. Moi, ça fait une 3 ans fait que j'anime. Ben, moi, je suis zéro intimidant. Moi, j'ai. <laughs> tu tout... aimes le sport, tu connais le sport. Ouais. Moi, mon travail, en gros, c'est d'intéresser les gens qui ne s'y intéressent pas. OK. Donc, je ne suis pas parvenu, je ne suis pas rien. Moi, je ne te juge pas. Je... C'est plus qu'on est de monde, plus on tripe. Le sport, c'est si Tu fais des recherches. Comment tu prépares ta journée? Bon, ça, ça fait marche? depuis que j'ai 5 ans, ça je fais de la recherche. <laughs> tu es un, <laughs> un manioc de type. Je tripe sur le sport. Moi, même si je ne faisais pas ça, je ferais ça de mes journées pareil Même que je regarderais des choses que je regarde peut-être moins qu'on s'intéresse moins les gens. J'étais un, un gros fan de basket, j'en consomme moins cause que au Québec, on, oui, ça embarque tranquillement pas vite. J'étais un des premiers à en parler, mais c'est pas, pas massivement populaire. Donc, c'est beaucoup de hockey. Je suis content que le foot ait cette percée-là parce que j'ai toujours été un gros fan de foot depuis que j'ai 8 ans. Je prends pour les Raiders. J'ai subi deux déménagements. Puis quand tu prends ouais. les Raiders, ben, tu n'as pas le choix de t'intéresser aux autres équipes parce que ce n'est pas tout le temps facile. Qu on... Depuis, non, quand on es est... Depuis quand tu es suivi Depuis quand Depuis 88. Marcus Allen, Bo Jackson, okay. Tim Brown, ça c'était mes boys. Bon. J'aime le brand, j'aime absolument tout des Raiders, c'est l'équipe du peuple. J'ai une de 70. questions là-dessus, je vais me retenir, là, mais. mais c'est non, correct. mais tu sais, moi je te suis, là. Je... Ouais, ouais, non, non, mais c'est correct. L'abri Tempo qui dit le seul que j'entends parler de NTA à Québec. Donc, euh, mais mais dis-moi, Vince, parce que moi je suis un, un sportif. Dans mon, dans mon emploi à temps plein, je suis responsable des sports dans un arrondissement. Fait que j'ai fait ça depuis 15 ans avant ça. J'ai même coaché, mais j'ai coaché du volleyball féminin. Ce n'est pas du football. Jamais Bravo. J'ai jamais joué du football. On allait. Les premières années, on se faisait planter par Garnon. <laughs> euh, tu au volleyball, fait que des fois j'allais à Québec, à BTB, ça revenait euh, très, très euh, la, la mine basse dans, dans l'autobus. <laughs> mais euh, Québec avait des équipes fortes au volley Mais je, je sais, là, tout est un gars de Québec. Euh, moi, je suis à Montréal, c'est rien que les Canadiens. C'est quoi, excuse-moi, le petit <laughs> Excuse problème de pourquoi qu'on peut pas parler d'autres sports que les Canadiens? Mais on peut, on le fait là. Ouais, mais... c'est plus, plus rien que le Canadien. C'est juste que c'est au sport de se faire valoir. Moi, je pense que la run que les Alouettes ont eue, c'était hyper touchant. Ça, ça a été cherché bien des gens. Comme l'équipe qui n'a pas de chance et qui balle out sur le terrain. Moi, c'est un des faits marquants de 2023. T'as-tu senti ça à Québec? Parce qu'en Montréal, on s'est réveillé un peu tard. On a des gars de Québec On ont fait le gagnon. C'est le gars qui joue à Garneau. C'est un parfum, ça. Puis De quoi j'ai coaché contre. On a vu ce qu'il a fait avec les Carabins. cest c'est... Ça vient chercher les gens. Tu sais, les gars donnent tout. Tu sais, C'est une question de. Oui, ça prend des vedettes. Oui, le brand du Canadien est plus fort que tout. Je suis d'accord, ça va peut-être être ça pour toujours. Mais d'un autre côté, de plus en plus, je pense que les gens sont. Ils regardent autre chose. Ils sont un peu plus Parce... ouverts. Hein? Bien, plus peut-être qu'il y a 20 ans quand j'ai commencé. Ben, on a accès aussi à cause du streaming, tout ça. Tu sais, je t'ai déjà entendu dans un podcast, je pense que c'était la gang de. 25 Stanley, là, ouais. tu disais qu'avec ton père, tu prenais ESPN bien avant ah tout le oui. temps, tandis que nous autres, on commence, ben, les gens qui ont accès à streaming, c'est comme ESPN. Moi, je vis que de ça là, en ce moment, juste la, les sports euh, aux États là, pour, euh, ouais. pour tout parler, mais peut-être c'est l'accessibilité aussi. Il y, a, il y a beaucoup de plus en plus de podcasts, tout ça. Tu, tu fais un podcast aussi, hein? Rudesse Excessive, c'est ça? Oui, on a ça pendant 16 ans. Euh, okay. Fait que là, ça me manquait, fait que je t'ai dit oui pour asseoir. Ah, <laughs> ça, ça, ça veut dire que pendant la saison, je ne pourrais pas t'avoir. <laughs> euh, ben, des, ça dépend des jours, wow. puis ça dépend. Il faut que je parle à du monde. Mais euh, moi, j'adore Jean Carrier, c'est un gars que j'ai ouais. coaché. C'est le fils de Claude Carrier qui était le scout des Devils. Wow. D'ailleurs, euh, Claude, son défunt un père. C'est lui qui a fait en sorte qu'il a repêché Brodeur. Là. Puis c'est Lou Le Morello qui est allé à Carrier, puis il a dit Ouais, qu'est-ce que tu ferais, Claude Il a dit Moi, je prendrais le Gaulard de Saint-Hyacinthe. <laughs> There goes your franchise. <laughs> c'est une famille. Tu sais, moi, Jean, Jean c'est tout un coach de basket aussi. C'est un amateur de sport extraordinaire. Puis il hein, y a Mathieu Boivin qui est euh, également euh, directeur à Nouveau-Québec. Lui, il en avait un avant, un podcast, puis lui, il a décidé qu'on se partait ça. Puis c'est un fan des Steelers déplaisant, mais c'est tellement, tellement un bon bonhomme. Mais... Un enthousiaste de foot. J'aime beaucoup faire ça avec les autres. Ouais, c'est bon, ça va bien. Puis localement, tu suis-tu les remports, les capitales? Qu'est-ce que tu suis? Euh... Absolument tout. Ah Absolument oui. tout. Ah ouais. ouais, ouais. J'essaie de me diriger vers où est-ce que les gens se dirigent. Sur les remports cette année, c'est plus tough. Les capitales, c'est pratiquement une dynastie. Donc, euh, dans le baseball qui joue mais je veux dire, c'est. Même tu en de nouvelles ligue comme ça, t'habilles des standards. C'est bon pour le baseball au le Québec, les capitales, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Ça ne sera jamais expo, mais c'est de, de quoi nous rendre fiers. C'est vraiment une très belle activité. Ils ont peut-être 24 matchs à guichet fermé cette année. Tu sais, c'est wow. un beau succès. C'est pas, pas du hasard. Ça va comme c'est mené. Fait que, tu sais, Michel Laplante, Patti Calabrini, toute la gang, mon chum Dan Fleury, c'est une organisation extraordinaire. Là, tous les matchs que tu vois ils sont là je suis vraiment tout le Québec pour ça tout le sport ben, local, le amateur. Se cycle, le sport amateur là, moi j'ai toujours pris pour le Canadien fait que la guerre je l'ai vécu de front moi tu sais je je, je je comprends le fan du Canadien de Terrebonne Il dit « ouais t'es un gros fan du Canadien si tu comprends rien même. et ça es. manger <laughs> des bouillons extra cailloux là moi je prends le Canadien à Québec là fait que tu les gens quand je les ai vus perdre le Nordique c'est sûr qui sont projetés vers autre chose. C'est des ouais. amateurs de sport. Donc, la NFL c'est devenu très gros à Québec quand même. T'sais, le rouge gagné la Coupe venue en 1999. Tous les anglophones canadiens pensaient qu'on ne savait pas jouer au foot. Depuis ce temps-là, on est meilleur. Il y a des affaires qui sont ouvertes. La perte des Nordiques, ça fait mal. T'sais, Québec s'en remettra peut-être jamais. C'était notre chance de jouer big stage contre tout le monde. Mais tout ce qui s'est développé après ça, je pense que ça valait la peine. C'est pour ça que les gens de Québec, c'est des. C'est des bons amateurs de sport. Ah, tant mieux, tant mieux. Chapeau, puis euh, on va parler de plus en plus plus tard. Euh, on va être là jusqu'à 8h15, ça te va, 8h15 Ou si Moi, ça je te suis. Parfait. On finira pas à 9h. Là, Mais là, je le dis, il faut que je me couche de bonne heure. Fait. Ouais, ben là, je ne sais pas, c'est ça. Est-ce que tu te couches de bonne heure parce que ça cabasse tôt Mais j'ai entendu Merci. que non, ça a l'air. <laughs> ça a l'air tu te lèves à domicile. Vas-y, je, je te suis, Tony, je te suis. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, euh, parle-nous du football amateur parce que comme tu te dit, tu as arrêté en 2019 donc tu étais peut-être dans les années où que, les alouettes allaient bien le football au Québec comment mmh. tu vois comment tu vois la transition on est-tu encore dans le, dans le bandwagon comme on dit en anglais est-ce qu'on va en développer puis j'aimerais ça aussi en tant que on a toujours, en tant que coach amateur on pense toujours à L'étape ultime, comment tu vois le, le football au Québec, universitaire, puis même canadien, tu sais, je veux dire, c'est sûr, ça ne sera pas la NCAA football, là. Ouais, mais c'est ça, mais, justement. On est, moi, mais, je, mais on je, peut le viser, là. Mais tu sais, Jeff Cantin, le gars de Lévis, il va être repêché cette année. Ouais. Il est transféré, il rentre à Memphis. Tu sais, Jeff Cantin, il s'arrêtait un stade de football universitaire québécois. T'sais, t'sais. Moi, un gars qui vient me voir. Il me dit j'ai une chance d'aller au stade, je ne vais pas lui dire vas-y pas là. Ben non, 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 non. C'est le plus gros problème qui règne sur notre football, c'est que l'option de bord va toujours être meilleure. C'est la haute voltige. Sur les Mathieu Bergeron, on aurait aimé ça de garder tout son stade collégial puis universitaire, mais c'était impossible. Tout le monde le voulait. Les offres sont sur la table, c'est comme ça. Puis il va en avoir de plus en plus comme ça. Euh, L'avantage, c'est peut-être le volume en inscription n'a pas augmenté, mais. Euh... On a des meilleurs, des meilleurs coachs dans les quatre coins au Québec. Là. Puis même les programmes collégiales, D3, ils commencent à avoir des solides entraîneurs aussi. Dans le juvénile qui est pas division 1 aussi, euh, les tentacules s'attirent, euh, le football se développe encore, même s'il n'y a pas plus d'inscriptions, parce que dans les je dirais 15 à 20 dernières années, ça a été exponentiel. Là, il y a un certain frein, pour bien des raisons que je respecte. Mais tu sais, moi, je suis un petit gars. Euh, j'ai le goût de, du vrai trip de gang de boys. Le football, ça demeure encore une très bonne option. Puis, au Québec, en sachant, en connaissance de cause, on est la meilleure province de football au pays, de loin. Là. Ben oui. De loin. Ça, tout ça naît de l'arbre constantin. Ouais. Et que, c est, c est, les gens ne réalisent pas à quel point c'est énorme. Là. Et puis Glenn aurait pu avoir des jobs CFL, il ne les a pas pris parce que c'est une situation qui est juste trop intéressante. Puis en plus, que son dauphin, Mathieu Bertrand, il est ses cornateurs à lui depuis 18-20 ans. C'est comme capoté comme situation. Oui. Ça, ça fait en sorte que partout, il y a des coachs qui ont appris au rouge puis qui apprennent à nos jeunes à jouer au foot. T'sais, les carabins cette année, ils ont fait un statement, c'était de loin la meilleure équipe au pays. Oui. Eux autres sont capables de challenger en ça amène encore plus de développement. C'est... C'est vraiment cool. Mais c'est pas d'hier qu'on perd des gars ici. Non, chose mais je voulais, dire, euh, je voulais dire, j'imagine qu'on va toujours, ça va être toujours Montréal-Québec. Puis, au euh, niveau canadien, ça va être, ça va être pas si populaire que ça ou on ne le verra pas parce que le monde veut aller dans le Sud. Ça, ben, les me me meilleurs athlètes, je ne peux pas les blâmer. T'sais, ça, t'sais, le, le triple haut de bord est extraordinaire. Euh, je euh, Puis, tu sors d'une université euh, bien gradée, tu as un job partout dans le monde. Tu vas me dire la même chose pour McGill, oui. Mais en plus, c'était vraiment une belle expo, une belle, euh, belle fenêtre pour euh, te faire valoir au football professionnel. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. T'sais, les Canadiens qui jouent ici ils sont repêchés avant les nôtres. Là, okay. Ici, donc... C est, c est, c est, mais il ne faut pas leur en vouloir. C'est juste naturel. T'sais, moi, j'étais la première pratique à Garneau de Pierre-Luc Yao. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Pierre-Luc Yao. Moi, j'avais deux ans plus vieux que lui. Puis j'étais à Garneau. Je jouais. Là. Lui il avait mmh. 17 ans. Puis la première pratique sur un terrain qui était abominable, Il y a une vanne qui arrive plaquée Michigan avec trois baquettes qui sortent de là. T'sais, il était pas intéressé par moi par personne d'autre. Il venaient voir Pierre-Luc. Ça, je te parle de, mille, de printemps 2000. Ça fait 24 ans de ça. Il était déjà là, il savait très bien c'était qui? Mais Laval, il avait déjà, il avait déjà dit, « Fais tes années à puis euh, viens chez nous après, fais tes études. » Pierre-Luc est très heureux, il est aux Estacades à Trois-Rivières. Il mène la vie. Mm -hmm. Mais il aurait pu jouer avec, euh, je ne sais pas où, moi, dans le temps. C'était ben, qui le coach? c'est le bon vieux coach. était à Michigan des années. Il était fort dans ce temps-là. Lui, oui. c'était full ride. -right. Mm -hmm. On vous, vous rappelle que Pierre-Luc Chaos son premier jeu universitaire à Laval. Il était redshirt, il était sponge return, il a bloqué le punt, puis il est allé scorer avec son premier jeu universitaire. Là. Tu sais, les Américains, ils le connaissaient. Hein. Ouais, ouais. Tu sais, donc, imagine aujourd'hui. Ces gars-là, c'est des gars spéciaux. Tu as joué quoi, toi, Vince? Euh, moi, <laughs> moi j'ai joué partout parce que ça, fallait que je fasse par les équipes. <laughs> mais j'étais avant tout un receveur éloigné, receveur inséré. Très souvent inséré. Okay. Et Je me plais à dire que Garneau 2000, j'étais quatrième corps arrière. Ça, c'est la légende qui règne. mais Personne n'a de preuve de ça. Hey, on salue uh, Big Will uh, de Québec aussi qui dit euh, Vince, t'es son idole depuis qu'il y a 20 ans. Je pense qu'il y en a 22. Mais. <laughs> mais il a non, non, changé d'avis. Non, non, lui. il a dit, il a dit euh, <laughs> je Big Will, j'aime ça. Il, dit, euh, il a dit euh, Je le suivais. Peux-tu lui dire que mon show Ever c'était le midi avec Vince et JC? Ah, JC, c'est mon prince, là. Je vais le saluer de ta part. T'es vraiment un bon Jack. C'est qui JC? C'est Jean-Christophe <laughs> Ouellette. Moi, je l'appelle Jean-Claude. jean, -Jean C'est pas okay. ce qu'on okay. connaît. Je sais pas. Moi, je t'ai fait un, un chum à moi. C'est les gars de Radio X. Okay. Okay. C'est vraiment un gars qui a beaucoup de talent. Là, 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 là on va mettre ça au clair tout de suite. Là. Ça existe encore? C'est quoi ce niaisage-là? Radio Poubelle et tout ça. Là? Quoi, ben, euh... Radio Poubelle. Les gens qui disent ça, ils ne l'écoutent pas. Okay. Ils, ont, ils ont le droit. Moi je m'insurge pas. C est, c est, mais c'est quoi qu -ce radio. Que, je, je vais être honnête, là, je l'entendais parler, mais je n'étais pas un gars de radio. Là, fait que, je suis plus un gars de télé là, quand j'écoutais et je fais mes recherches. Là, mais C'est quoi les ouais. choses que vous disiez, c'est pas correct, puis là, ils vous écoutaient pas? Là, moi, pour être franc, RDS, à RDS, dans mon podcast, à Énergie, comme n'importe où ailleurs, moi je fais tout le temps la même chose. Là. Bon, ouais, ça. Si c'était poubelle là-bas, c'est poubelle présentement que tout, moi je fais la même affaire. Fait, OK. Mais là, ça a changé ou ça n'existe plus? Ou on te suit? Ou, ou... Moi, je change pas. C'est ce que je t'explique. Pour ouais. le reste, ils font bien ce qu'ils font. Ce n'est pas pareil comme quand j'étais là. Mm -hmm. Mais euh, moi, j'ai tendance à dire que les gens qui disent poubelle, c'est qu'ils ne l'écoutent pas. Ouais. Ils, ils lisent juste les mauvais coups qui sont sortis dans les autres médias. Puis je comprends Game et tout, mais... T'sais. Quand tu l'écoutes, c'est comme... c'est c'est du vrai monde qui parle au monde. C'est très peu commun dans les médias. Pour ça, je respecte ça. Là, ça a l'air qu faut que j'invite Jeff Fillion parce que c'est un fan des Dolphins, comme moi. Savais-tu <laughs> ça? Veut -tu? Ouais, mais il est très aigri. <laughs> Il n'y a pas de fun. Il vient de perdre Wilkins, il est chez nous, il capote. Ah oui, lui, il fait que moi, je suis en train de faire mes prédictions déjà. Déjà, j'en fais trois quatre. Vous auriez jamais dû le saluer. Je sais, je sais. Moi, c'est mon Christy de propriétaire. Je ne sais pas ce qui se passe là. Je pense qu'il y a une coche entre le propriétaire et DG. DG, c'est une marionnette, en tout cas, on a un beau coaching staff, les joueurs, mais j'ai l'impression qu'on va à chaque année on va changer de joueur. Puis ouais. là, je ne sais pas, on va donner un contrat de 5 ans à Tua. Ouais, ah, c'est ça. Je... Tua, le Cheetah, ça coûte cher aussi. Euh, <laughs> c'est <laughs> une décision à prendre. Mais moi, Wilkins, je l'ai regardé. Je, je suis bien content de l'avoir. Ouais, je sais. Je sais. Hey, avec Max Crosby, tabarnak. Ça va être beau. T'as-tu été au nouveau stade à Vegas? Moi, je suis allé en novembre, oui, contre ah, les Chiefs. Ah, tu es ouais. allé un mois après moi. Oui, on est 14-0 puis après on se fait plier dans la face. Mais euh, c'était quelque chose. C'était-tu ta monde... tu... hein? cétait ta première fois à Vegas? C'était la première fois, je j'ai voyais à la maison. Parce que okay. jamais... à aller à Oakland, je ne suis jamais allé. Okay. Je les avais vus 12 fois à l'étranger. Fait que tu sais, dans le coin, je mets okay. Giants, Bills, je suis allé voir aux Dolphins aussi. Tu sais, les fois que je pouvais. Okay. Mais euh, ça, c'était spécial. black hole en plus avec tous les personnages ouais. mythiques. C'était l'enfer. Tu, sais, tu vois qu'il y a une animosité, mais tu vois, Mahomes, Kelsey, Crosby, en vrai, c'est vraiment encore plus hot qu'à T es, devant T. Es Adams aussi, c'est quelque chose. C'est spécial. C'est le fun. C'est des gars que j'ai jamais eu en vrai. Tu t'es gâté puis tu as payé le prix pour être en bas parce que moi je suis en je, haut. Je, je le paye encore. Hein? Je, je le paye, paye encore. C'est six mois. <laughs> c est... C est... <rire> <rire> moi j'ai euh, mon chum Mr. Freeze qui est dans le chat. Euh, je l'ai amené avec lui. Euh... Lui, c'était son premier, sa premier... non, c'était pas son premier match, mais quelque chose de gros quand j'ai dit qu'il faut que tu payes ce prix-là pour les <laughs> voir à Vegas. Oh boy! Ah, C'est pas donné, hein? Non. non. Oh C'est une franchise qui a, qui a gagné euh, 3.5 milliards de valeur en trois ans. Ouais. C'est la franchise qui monte de valeur le plus rapidement. Dernièrement, tu as été euh, repêché par DS euh, avec l'antichambre. Euh... Ben, je ne t'ai pas vu dernièrement. C'est quoi? C'est par invitation ou, ou ben c'est sûr qu'il y a eu des coupures partout, donc l'antichambre réduit en taille. Ouais, hein? Mais dès qu'ils ont remis le segment de la personne carré d'or, c'est un segment de débat dans l'antichambre. Ouais. Euh, J'ai apprécié t'sais, ils m'ont fait signe puis euh, on a recommencé à travailler ensemble. C'est pas facile les médias. Là, t'sais, non, il ouais. faut, euh, faut que tu acceptes ce qui se passe. Puis quand le micro allume, il ben, faut que tu sois là. Toi, Comment tu vis ça? Tu, tu, tu te fies-tu aux stats? Ou tu sais, comme le matin, tu es là, tu t'amuses, puis s'il y en a une ou 22 000 qui t'écoutent, est-ce euh, que vous Je ben, J'espère qu'il n'y en a pas rien qu'une. <laughs> <laughs> non, mais c'est parce que c'est un peu un conseil. Euh, ben, moi, j'ai eu le conseil dernièrement de ne de, pas se fier trop euh, euh, aux, aux stats parce que on, peut, on a beaucoup d'attentes, on met beaucoup de préparation. Ben, le problème avec les stats à la radio, c'est que c'est beaucoup de chiffres. Ouais. Peu importe si tu es dans, dans, dans une position pour écouter un podcast plus relax ou que tu as deux bébés d'un bras. Il reste que les chiffres ça s'empile. Les gens écoutent la radio en faisant autre chose. il ouais. faut que tu rendes ça fluide, accessible. Puis à tout le monde. À, mettons à chaque intervention, moi j'aimerais aller chercher quelqu'un qui ne s'intéresse pas au sport, à s'y intéresser un peu. C'est okay. mon but. Je ne vais pas jouer au druide. Pas faire semblant, je connais ça plus que toi. Mm -hmm. Tout le monde s'en torche. Moi, je veux qu'il y ait des gens qui s'intéressent au sport. Puis c est, c est, moi, c'est comme ça que je marche depuis le début. Jusqu'à jusque-là, jusqu ça marche. Quand ça ne marche pas plus, ça ne marche pas plus. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas un concours de qui connaît ça le plus. Non, 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 c'est ça. Il puis, puis, quand... va prendre une bière avec un gars au bar et va décider qu'il décide ça plus que moi. Peut-être que ce ne sera pas comme en oncle. Là. Je vais ouais. Mais tu sais, quand tu parles à plein de gens, les, la maman, elle, elle aime peut-être ça, la, la musique énergie, puis je la comprends. Puis elle aime peut-être mon collègue, ma collègue. Quand c'est mon tour à parler, faut pas qu'elle change de poste. C'est ça. Et c'est pas facile. Comment tu fais euh, euh, Facile faire des concours, là, je connais ça plus que toi, et puis blablabla. Ah, ouais. Je suis bon là-dedans. Comme je te dis, je prenais le canadien, j'ai grandi avec les fans des nordiques. Ah, ouais. Avec mon obstination, là, A+, là, je suis A. Je veux dire, oui, oui. <laughs> c'est pas radio. ça C'est pas ça le but. Tu comprends? Fait que, une émission de débat comme à RDS, moi, tu sais, je respecte l'opinion de l'autre tout le temps. Tu sais, amènes ça ailleurs. Tu Il sais, faut que tu sais, amènes une couleur certaine. Le temps que ça va durer, moi, c'est ça que je vais faire. C'est pas unique, mais c'est trop peu fréquent. OK. Puis comment tu vois le futur de la radio? Puis, mmh. tu sais, avec l'arrivée des podcasts, tout ça. Euh stratégiquement, vous en parlez... Les... Toi, tu fais -tu partie de ça dans les discussions où tu suis, qu'est-ce que... Euh, tu qu'est-ce que la direction te dit? Euh, tu sais, ben, il faut que tu, tu suives ce que la direction te dise parce ouais, que ouais. tu sais, je travaille pour BCE, il y a 55 000 employés. Hein. Exact. Donc, la, la portion radio, c'est minime dans tout ce qu'ils gèrent eux autres. Donc, est, tout est très coordonné. Mais moi, il n'y a jamais personne là qui m'a dit quoi dire. Là. Puis, jamais personne qui est revenu dire, tu n'aurais pas dû dire ça! » OK. Okay. Donc, tu sais, ça vient avec l'expérience, mais pas... les podcasts très intéressant La radio a tout intérêt à demeurer locale ouais, hein? Ça va peut-être brasser moins d'argent qu'avant, mais ça va toujours être un média rapide, réactif. Il se passe de quoi lève le pote parle, dis-le. C'est la télé, ça prend un caméraman, ça prend un troc ça prend un deux gars. Il faut y aller, il faut préparer le reportage. La radio, tu fais que l'avait le pote punch le téléphone. Mm -hmm. Il n'y a jamais rien qui va. À côté de ça, toi, tu as Twitch avec toi, les gens posent des questions. Mm -hmm. C'est très accessible. Exact. Ben, ça, ça, ça. Il faut, faut que la radio reconnaisse ses forces et qu'elle travaille là-dessus. Excellent. Excellent. On va revenir dans les questions uh, Raiders. Tantôt, tu as parlé Black Hole. Euh, euh, une question euh, là. Ils ont été à Los Angeles, Oakland, puis Vegas. On était à Oakland, LA, Oakland, Vegas. Exact. Donc, dans les trois villes, quelle est la meilleure ville pour les Raiders? Ben, c'était LA. Puis, okay. ça paraît encore. Là. Je veux dire, le monde à LA, ils prennent pas pour les Rams. Ouais. Ils ne prennent okay. pas pour les Chargers. Il y a encore la patch, ils achètent la calotte. Tu sais, autres, ils... <laughs> Puis, quand Coach Pierce a pris la job, mi-saison, Coach Pierce, c'est un gars de Compton. il a pris le micro, il a dit Nous autres, quand on était jeunes, on se trouvait un char. On écoutait du NWA vers le Coliseum, on se trouvait du... des billets. Puis on allait faire tout ce qu'on pouvait pour rappeler les Raiders. Je me suis dit, yeah. C'est ça, ça va toujours vivre. Partout où ben, ils sont oui, allés. Tu... Yeah. Moi, j'étais le, le tailgate. Le... Moi, j'étais arrivé de bonne heure la fois que je suis allé. Ou ça À Vegas. Oui. Puis les gars de 509 de Oakland, là, les hispanophones, pas fins, des tatoues d'en face, sont là de bonne heure. C'est du sérieux, ils font 8 heures de char. là. Oui, oui, mais moi, je ne les ai pas pognés. Je ne sais pas si c'est parce que c'était un Monday night, il n'y avait oui. même pas de. Mais, non non, mais mais il y avait ta... il y avait que le tailgate corporatif, le tailgate, ouais, ça, euh... ça c'est correct les fans des Chiefs c'était admis. Mais la portion je te parle. Ouais. une heure après tu as 200 bikers qui arrivent là aussi. Là. Où ça Parce que j'étais là jusqu'à la fin puis je les ai pas vus. Mais ben, ils ont leur lot, là, moi je savais c'était où mais c'est c'est terrible. Ouais, mais les puis... gars ils font fumer un bœuf, il y a un ben... gars avec des play, le DJ, il y a un MC, les mariachis arrivent à 11h. Mais c'est es qui là qui <laughs> le shot, gelo, je veux les il n'y a, a, a eu rien de ça. Je pense que c'était à cause d'un lundi soir, je ne sais pas. C'est sûr qu'il était là. Non, ben, c'est le parking. C'est le parking à côté de l'entrée. Pas à côté de l'entrée, non, pas à côté de, de en, la boutique. En, fa en face, de, en face de, du Tailgate Corporatif? Mmh, un peu plus loin. Mais c'est à peu ah. près à 5 minutes de marche. Non, je pense que non, je pense qu je sais pas si En tout cas, à la limite, ça me signe pas là-dessus, tu n'as pas été chanceux. J'ai pas été chanceux. Autres, <laughs> Eux autres, c'était vrai. Là. Et, moi, ça m'a vraiment réconcilié avec le déménagement de voir que ces gars-là étaient encore là. Parce ah ouais, que ben, les vrais fans oui. vont, vont suivre. Là. Comme, ben, comme tu as fait avec la Nordics Nation. Ça, ça, ouais. ça marche ça encore? Ça, que... ben, ça marche comme, comme le vent le pousse. Là. Je veux dire, il y a encore plein de gens intéressés à ça à Québec. Mais, okay. Déception après déception, tu n'es toujours bien pas pour tourner le poignard dans le cœur du monde. Non, et mais ça, c'était. Mais puis moi, j'avais prends... je... un souhait que les Nordiques reviennent, c'est que le Canadien soit meilleur. Oui, moi, je ne moi, je suis pas un fan des Nordiques. Sauf que la pire affaire qui est arrivée aux Canadiens, c'est que les Nordiques partent. Oui. Ça, c'est vrai. Il faut le réaliser tout le monde. C'est vrai. Quand il y a quand Nordiques dans le cul. Ils ont, ils ont sorti ça en 82. C'est vrai. Et là, La mort de poignée après vendredi saint, tout. les Nordiques ont autant battu le Canadien que l'inverse, là. Il était ouais. vraiment dans. Les... C'est ça qui était le fun, mais regarde ça, je t'ai entendu dire, puis petite parenthèse là-dessus, là, je t'ai entendu dire, tu parlais que qu'est-ce qui n'aidait pas, le retour à Québec, c'était Pelado. Moi, je pense que c'est aussi mon j'imagine. Bon, mais qu'est-ce qu que tu penses qu'il dit à la table, lui Ben, c'est ça, exact. Moi, je le connais, lui, il c'est présenté pour un parti séparatiste. Les gars, ils ne veulent rien savoir. Tu sais. <laughs> c'est ça, exact. C'est les mêmes gouverneurs depuis je ne sais pas trop combien d'années. Les gars n'ont les gars, les gars, même pas joué au hockey. Mais je veux revenir là-dessus. Ton propriétaire des Raiders, Mark Davis, ouais. y a-t-il une qualité ou c'est seulement sa coupe de cheveux? Qui il y a, y a de l'argent. Okay. Euh, Puis il, il s'appelle Davis. Okay. Puis il est trompe Tom Brady. OK. Tu as essayé de ramener Gruden, c'était pas une mauvaise idée. Il est arrivé à John, ce qui est arrivé à John, mais c'était quand même. Ça, 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 ça commençait à bien aller. Toi, tu y croyais, ça, Gruden? Moi, y croire depuis 2002, c'est pas arrivé vraiment. <laughs> mais il m'a avoué que cette année, sans dire qu'on va faire les séries, on va vraiment faire mal à du monde. Là. Je veux dire, pour vrai, on est vraiment ce que les Raiders doivent être. C'est comme les Raiders des années 70 que je n'ai pas vécu. OK. Donc, tu es d'accord avec euh, le fait d'Antonio Pierce ah, Tout à fait d'accord. Ah. Hey, coach a des boucles de et une chaîne. C'est la NFL. Pense-y, là, à quel point c'est frais. <laughs> non, non, non. Mais, a, mais, les Raiders, ça a tout le temps, été ça. Les non, mais, à, à en tant que coach, explique aussi à notre, à notre gang qui, qui nous, nous... Non, nous non, mais c'est la parce NFL. Que, parce qu'ils ne connaissent ouais. pas Antonio Pierce. Là, non, mais, mais les, les coachs de la coachs. NFL, c'est des politiciens. OK. Lui, non, là. OK. Lui, okay. c'est un, un gars de la rue. Il a blitzé toute sa vie parce qu'il n'était pas capable de faire du coverage. Exact. Les gars respectent beaucoup Antonio Pierce. Puis, gars, il... t'sais... Comment je pourrais dire ça? Mais, mais. Les Raiders, là, c'est comme l'équipe du. du... Pas, du... Je pas du monde. La deuxième chance. Oui, je comprends. lui, il jugera pas un gars parce qu'il a déjà fait. Il va, il va juger un gars par ce qu'il est capable d'y amener. Puis, à date, vraiment, ce gars-là. J'adore comment il pense, j'adore comment il privilégie tel joueur à tel joueur. J'adore le fait que tous les joueurs l'aiment. Si ça durera le temps garder... que ça durera, mais les Raiders, c'est tout le temps été ça. Je te disais tantôt Tom Flora, c'est le premier coach hispanophone de gagner deux. Il a engagé, engagé le premier coach noir. Il a engagé la première femme dans l'état-major d'une équipe professionnelle nord-américaine. C'était le Princess of Darkness. Oui. En 1995, il était co dg à Davis 1995. Dans ce temps-là, il n'y a personne qui forçait à engager des femmes. Les Raiders ont tout le temps été. Là, la, le fait qu'ils mettent. C'est pour ça que ce que j'aime de Mark, c'est qu'il était assez. Il a suivi. Allumé. Il a suivi pour, un peu qu ce que son père est. Ouais, on va Ouais, On va le mettre là, lui. Et... Est-ce qu'il est qu voulait. Est-ce que tu penses tu pensais que Mark, il voulait quelqu'un d'autre que Pierce ou. C'est sûr qu'ils ont... Qu okay. qu ont appelé Belichick, c'est sûr. Mm -hmm. Arba aussi, c'est sûr, okay. c'est certain. Mais en bout de ligne, il est allé avec ses joueurs. Les joueurs, c'est lui qui voulait. Et... En tout cas, je ne sais je, pas. Je, le... Moi, ça me rappelle vraiment, vraiment euh, un jeune John Madden. Oui. Personne ne comprenaient pourquoi ce gars-là était coach à 34 ans. Oui. Mais encore là, c'est ça les Raiders. C'est ça que je te dis qu'on retourne à ce qu'on était. Est-ce que tu es déçu qu'ils n'ont pas trouvé un corps arrière pendant le marché des joueurs autonomes? Ou... Ben uh, Minshu Magic, qui est comme uh, le deuxième venu de Jim Plunkett, un genre de bombe. <laughs> je pense j que les gars vont joueurs J'ai pas haï au OK. C'est sûr que la game contre les Vikings, c'était lourd, zéro point, etc. Mais le gars, il est au-dessus de 500 quand il est partant. Euh, on verra, peut-être qu'au draft ils font un move, mais euh, moi ce que j'aime, c'est que la, la dernière équipe a battu les Chiefs. C'est les Raiders. C'était à Kansas City, c'était à Noël. puis Ça a été du bullying avec un B majuscule. Là. Oh. En tout cas, on te voit là, il n'y a plus de lumière sur ta face. Tu fais vraiment le lien avec yes, les -a Raiders. C'est quasiment le Prince of Darkness. Là, <laughs> c'est le Prince of Darkness. C'est le Prince de les, les gens qui rentrent dans le show, c'est qui ouais, lui. C'est hein? l'équipe, mais il commence à faire noir. Excuse-moi, <laughs> est arrangé comment est arrangé. De toute façon, le monde se voit pour ma face, j'espère. Que... Euh, je, non, je sais. <laughs> On va essayer de mettre ça sur YouTube après. <laughs> ouais, est-ce tellement... euh, est que tu vas, est-ce que tu vas finalement voir un Super Bowl avant ton vivant chez les Raiders Oui, oh, oui. Oh. Est-ce que oh, tu, oui. tu vois un horizon? Oui, je veux dire entre 4 et 8 ans. Oh, wow! Pe Peut-être plus tôt. Dans le sens que, de toute façon, ouais. maintenant, aux 5 ans, ça va aller à Vegas. On va dire, Superdome, vont perdre leur spot. Là. Vegas, tout le monde va aller là. Ah oui, hein. le, le baseball oui, s'en va là. Pour l'autonomie, c'est bon aussi. Là. Mm. Même le Super Bowl, le lieu-là, puis les gars, c'est oh, hein, sharp. Hein. C'est sharp. <laughs> C'est tout le contraire d'Oakland. Autant j'aimais le Black Hole à Oakland, c'est un endroit qui ne sera jamais à côté dans le sport. Il fallait faire ça. C'est juste une grosse business. C'est des équipes milliardaires. C'est incroyable l'argent qui circule là. là. Hey, le plafond salarial a augmenté de 30 millions wow. en un an. 30 millions. Oui. C'est 30 fois toutes les équipes. Compte ça, l'argent nouveau qui rentre là-dedans, toi c'est pour payer les joueurs, c'est une fraction de l'argent qu'ils font. Là. Mmh. Mais est-ce que tu vois, euh, tu sais, euh, la, la NFL, là, ça fait je ne sais pas combien d'années, on dit, ils sont toujours au top, puis ça monte encore. À un moment donné, il y a un cycle, pour faux. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on a, a frappé un plafond ou ça va continuer? Comment tu, comment tu vois ça? Puis là, là, je, je sais qu'ils sont très créatifs, là, mais à un moment donné, là. Euh, je, je pensais à ça en fin de semaine. À un moment donné, euh, la NFL là, va, va descendre, non? je ne sais pas. Mais je pense que les inscriptions à un jeune âge, ça se fait sentir. Même aux États-Unis. Là, il y a le une... flag football. Je sais Ils sont très marketing, la NFL. Il faut donner ça. Là. Oui, oui, tout à fait. Puis ça va les garder euh, au-dessus de toutes les ligues pendant un méchant en bout. À voir si eux vont ralentir, c'est vraiment une question de santé. Je pense que une question de l'acceptation du sport avec. Euh, euh, les dizaines d'années qui avancent, à quel point on va tolérer que sur 3 et 1, il va y avoir un coup de casse. C'est son paycheck contre son paycheck, il, il y a une verge à gagner. Là. Je ne pense pas que personne qui va être demi mesure là-dedans. Mm -hmm. me tu vas me dire, cest intelligent? Non. Mais c'est pas cause pas intelligent que ça ne pogne pas. Là. Donc, est-ce que les gens sont capables d'accepter ça sur plusieurs années que c'est un sport de gladiateur, C'est pas santé? C'est euh, À la limite, des gens qui disent que c'est pas correct. L'opinion de tout le monde, je l'accepte. Sauf que l'intensité déployée sur un terrain, un petit terrain américain 11 contre 11, je ne vois pas d'autre sport à côté de ça de si tôt. Ouais. Puis je pense que le fait, es-tu d'accord avec moi, le fait que la NFL veut garder les chaînes traditionnelles de télé pour l'accessibilité? Ben oui, c'est l'argent garanti à tout le monde, puis c'est moins ouais. volatile. Puis c'est encore très accessible. Mm -hmm. Maintenant, faut il faut que ce soit ailleurs aussi parce qu'il ouais. y a de plus en plus de jeunes adultes qui n'ont pas ça le cadre. Donc, c'est pour ça qu'ils se dirigent vers là. Non, mais tu ne fais pas la gaffe comme MLS au Soccer qui sont allés tout de suite tout sur Apple. Et... Ben, les autres, ils, comme tout le monde, ils ont besoin d'argent. L'offre était là. Apple les a un peu fourrés parce qu'ils savaient que c est avec Messi elle est là avant de signer le contrat. Oui. Les, les autres, ils font l'argent plus qu'ils ont dépensé, mais c'est le plus gros contrat de télé de la MLS, pareil. Oui, mais la regrette, J'ai entendu dire Paul Capote. Oui, peut-être. Mais ça reste une, une ligue de deuxième ordre. Là. Ouais. La NFL ne sera jamais ça. Ouais, non, je... non jamais. Je... Non, non, Jamais. T'es-tu euh, un fan de trois ou quatre essais? Quatre. je pense que le foot, ça se passe le troisième essai. Est-ce qu'un est qu jour, la CFL va tomber à 4 ou ça va rester là à cause de l'Ouest? Je ne sais pas, mais moi, je coachais collégial à cause qu'il y avait 4 essais. C'est tellement plus fun. Et ça fait deux jeux que tu pas fait bouger pas C'est sur le troisième, tout ça passe. Le momentum switch est là. Un batteur a pas d'affaires sur le terrain ce le troisième essai. <laughs> tu as, as raison. Tout ça passe au troisième Et essai. Je ne vais pas parler contre notre football. Il y a ces cas là. Je juste que le football ça se passe au troisième essai. C'est là que les contrats se Mais tu trouves pas que c'est le meilleur moment de peut-être faire ce move là Même à un moment donné j'ai pensé. Là, le meilleur moment c'était avant que je naisse là. Tu veux dire. Ouais, mais là, je Il faut veux que dire... tu t'entêtes à dire. Ah, notre ah, football mais... est plus vieux que le leur. Tu sais, notre tradition, blablabla. Terrain trop ouais. grand. fait des points en dégageant. C'est comme euh, euh... comme l'arrivée euh, le, le un an ou deux j'avais dit. Euh, je... J'avais quasiment goût proposé, euh, tu sais, tu avais la XFL, tu avais la USFL, tu sais, pourquoi on ne fusionne pas avec la CFL, les trois, puis on fait un excellent football de printemps, puis de développement. ouais mais ce que la CFL fait bien, c'est qu'elle développe les gars d'ici, donc le repêchage canadien, euh, ces gars-là ouais, font ouais. des bas, c'est très important. Oui, ouais, mais je veux dire, tu sais, il y a moyen de négocier, tu, pouvais, tu peux regarder. Tu peux avoir tout ça à un moment donné. Ouais, XFL, c'est quand même boboche, là. Pour vrai, il y, y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'NCA, dans le CFL qui sont meilleurs que les joueurs de la XFL. Là. Ouais. Ben là, ils ont fusionné, là, ça a commencé. la UFL. Peu importe. OK. Toi, les contrats sont encore bons. Le CFL, les gars ont monté, dans, monté de salaire. Okay. C'est pas comme euh, quand j'avais 25 ans. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gars qui font en bas de 100 000. Là. Alors que c'était très fréquent avant. Là. Non, c'est sais, bravo à mes cousins, euh, <laughs> Belle média et quelle es, que entente de diffusion. L'argent vient de là, une chance que c'est là parce que le foot, la CFL, la TSN, ça pogne. Et ouais. RDS cette année, ça pogne aussi. Tout à fait, tout à fait. Euh, le jour qu'ils ont nommé Josh McDaniels, coach des Raiders, qu'est-ce qui t'est arrivé Je ne sais pas. C'était C'était triste. <laughs> De mon ben, côté, moi, moi je reconnais... Euh, ya tu que... eu des trous dans tes beurs, je sais pas. Ben, il y a eu d'autres affaires à faire. Je dis que tu t'as assez endurci. <laughs> J'ai compris ce qu'il a essayé de faire, mais il n'y a comme pas eu le choix, parce que qui est parti quand Gruden se fait cochonner dans les mails à Dan Snyder. Oui. Puis s'était posé de Gruden pour encore 7 ans. C'était ça le plan de Mark Davis. Il était poigné que ça, en fait. Que... Là, il, il est encore trop. payé, hein, Gruden, c'est ça, je pense? Ouais, oui, <laughs> puis, puis il est bienvenu quand il veut. Hein. John Gruden, c'est un raider. Mais pourquoi qu'on le voit ailleurs? Je... C'est quoi, l'année passée, il était. Non, parce que ce serait mal vu de le ramener quand il s'est fait sacré d'or et qu'il était chez vous. Ouais. Je veux dire, c est, c est, c est, Mark Davis, s'il pouvait, il le ramènerait. Hein. C est, c est... Ouais. C'est correct, c'est John Gruden. C'est câble, les mails qu'il écrit, c'est inacceptable, mais. C'est-tu euh, McDaniels qui a amené Jimmy G? Est-ce que Jimmy G aurait eu euh, ouais, 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 du succès encore, encore, Non, mais il y aurait pas. Pu... Ou c'est-tu McDaniels qui a nuit Jimmy G? Ah, ou... Jimmy G est capable de se nuire à lui-même. OK. Mais euh, c'était pour vrai, pour le prix qu'il était payé. Moi, je suis content qu'il ait repêché au moins au Connor. C'est un bon kid. Il a fait, il a, il a fait son bout. C'est intéressant. Derek Carr, fait le temps de penser à autre chose. Moi, depuis que c'est cassé à la jambe, je trouve que c'est plus le même homme. Ouais, depuis ouais. 2016, je suis vraiment pas un fan. Le gars scramble jamais, le gars il vite sa gâchette, il check down tout le temps, j'ai ça. Mais un bon bras, c'est un bon athlète, c'est surtout une bonne personne. Mais fallait se passer à autre chose. Puis, les Raiders, ils bâtissent de quoi. De plus en plus, les, les joueurs vont vouloir aller jouer là. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Tu vas avoir le choix des cadeaux bientôt. Puis cette année, ils ont le 13e choix. Tu penses-tu? Il, il y a différents. En tout cas, il y a plusieurs mock drafts. Là, mais mm -hmm. penses ce qu'ils vont monter? Est-ce qu'ils visent encore arrière? Ou... Toi, comment tu penses leur stratégie? Ben, bah, moi je. Je sais pas. Moi, je garderai le 13e. Pour de vrai. J'irai ligne à l'attaque. J'irai demi de coin. Puis je serais capable d'échanger peut-être à 20-22. Quelqu'un qui veut monter pour euh, Cooper de Gene d'Iowa. Moi, je pensais le sleeper du draft. Là. Le demi-coin des Hawkeyes. Mm -hmm. Tout un joueur de football. Ouais, tu, tu suis pas mal ça, hein? t es, t es... Ah, j'adore, moi. C'est ça le point positif mm. de plus coacher. C est, c est, mes, mes samedis, c'est comme mes samedis d'enfance maintenant. Je, je peux sticker de midi à minuit. Le college football, c'est de loin l'affaire la plus cool. Là. Est-ce que ça te fait mal? Qu'est-ce qui sent le futur de la NTA avec le NIL, le, le, non. Transfert, port, le, le transfert, le portal transfer Non, organise ça les garder. On les garder. Si c'est mieux chez vous qu'ailleurs, il va rester chez vous. Puis, okay. puis, le, puis gars si on... partir. le gars veut partir. Qui part. Si, si tu veux partir, je n'ai pas besoin de toi. Okay. La... C'est une question de commitment. Là, oh, si oui. Tu veux les gars embarqués pour 4-5 ans. Oui, c'est une difficulté de plus, mais les gars sont payés 8 millions, j'ai pas pitié. Là. Ouais, le fait qu'ils gagnent, euh, le... là, on est en train de vivre cette transition-là, Tu un gars comme Caleb Williams, que, comment tu le vois? Non, mais... je parlais des coachs, moi, qui gagnaient. Les... Ouais, ouais, tu... non, mais puis en plus, eux autres, euh, il y, y en a plusieurs qui chialent parce qu'à cause du transfert, mais eux autres aussi, ils changent de job euh, pas mal souvent aussi, là. Mm. Fait que, mais, mais pour revenir aux joueurs qui gagnent, là, de l'argent, tu sais, un gars comme Caleb Williams, là, euh, mm. ben là, depuis... Là, un mois, la situation à Chicago était quand même pas si bonne que ça, mais là, avec toutes les, les, les acquisitions, tout ça, c'est quand même un, 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 une bonne destination pour Caleb Williams. Mais toute son, son attitude, tout ça, est-ce que c'est est trop monté par les médias ou c'est vraiment le bon joueur qu'on qu va avoir ou il est au-dessus de ses affaires ou. Ah, okay. Il y a bien du monde qui sont mélangés, Vince, incluant moi-même, parce que moi, je n'ai pas eu la chance de le voir. Je lis beaucoup là, dans les... Euh, c'est un excellent talent, euh, tu sais, je veux dire... Euh, mais, il y a un mais. C'est quoi ce mais-là? De Peut-être que la business réagit mal à Caleb lui, il veut, il veut être à l'avant-plan. Ouais. Je ne sais pas si c'est tout ce qu'il veut, il va l'avoir. Mais chose certaine, moi, je ne pas ça. Ah Et, oui? Pas peur de personne. Moi, okay. il donnait sa chance. Je regardais USC, tu sais, les soirs, il me plaisait, d'autres pas. Euh, mais ça reste tout un talent. Euh, C'est toute une question d'encadrement. Ouais. Arrive il arrive-tu dans la bonne situation? Toi, comme, ouais. comme, comme coach, ça te fâche-tu euh, d'avoir du bon talent qui arrive, sont repêchés haut, puis ne sont pas capables de, de les développer ou de les encadrer? T'sais, surtout les corps arrière que T'sais, vu que ça coûte pas cher pour les 4-5 premières années, ben tu on, on nuit des talents ou c'est vraiment ils ont vraiment repêché des, des pas bons ou tu sais, comment tu vois ah, ça? Il Faut pas que tu les garoches là-dedans trop vite non plus, c'est la jungle. Là. Ouais. Mais pourquoi que les euh, équipes ne oui, comprennent pas oui. oui. ça? À cause de l'argent, du propriétaire? Faut que tu gagnes? Oui, il faut que tu gagnes. Mais il faut que tu bâtisses pour l'avenir. Fait que ça ne prend pas grand-chose corps arrière, aussi bon soit-il de perdre sa confiance. Je veux dire. Ouais. Il n'y a pas de mauvais joueur sur le terrain, en effet. n'est pas, genre lui il est moyen, fait que si il est man to man, mon Reed, c'est là, puis mon gars va le battre. NFL, c'est pas ça. Là. Il n'y a pas de piment sur le terrain. Ben, il, y a des... il y a des piments moins bons que d'autres. Il n'y a pas de piment sur le terrain. T'sais, NCAA, il <laughs> <t'sais, rire> okay. y a des matchs de conférence qui te sont cédulés que tu es favori par 28. C'est walk in the park, ça t'apprend rien, ça NFL? NFL, c'est pas ça. Ouais mais... ouais, mais Vince, uh, Zach Wilson. Zach Wilson, t'as à ou d'un, c'est un miracle qui est sorti première ronde. Là. Non, mais c'est ça, c'est pas ça. Mais on le nuit, le pauvre, lui. Là. Oh, nous autres, on se scrapé de ce qu'il restait à scraper. C'est ça. Mais c'est le gars, il... ça vient d'une famille riche, euh, y il a-tu vraiment faim? Moi, il m'a montré des affaires euh, extraordinaires là, par moment. Je veux vraiment... dire, c'est un bon athlète. Mais les Jets, avec ce projet-là, ils n'ont pas fait les bonnes choses. Puis je me demande à quel point ça aurait pris beaucoup de bonnes choses. Qui aurait été capable Des choses certaines, il n'y aurait pas de jouer avant sa deuxième année. Mais Big Will, ça venait un autre. Trevor Lawrence, on a dit c'est un cas générationnel. Ça fait trois ans j'attends. Ça fait combien de temps qu'il est là Ça fait trois. Ben, c'est patience. Ok. Non, non, mais c'est bon de savoir. Moi aussi, je suis un gars patient. T'sais, moi moi j'ai été coach moi aussi, j'ai perdu des jobs parce que il y en a qui l'étaient pas. <laughs> euh, c'est ça, C'est pas tout le monde qui a le même s'oublié. Mais, mais tu es quoi, euh, Trevor Lawrence? Euh, surtout avec Coach Peterson, bah ben oui. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, euh, il y a une année un peu décevante, c'est correct ce là. Ils ne sont pas obligés de tout Tom Brady et Peyton Manning. Ah, non, mais Vin, pas ce n'est pas ça qu'on dit. Ben, c'est là... que Trevor Lawrence, il a l'impression de devenir un corps générationnel. Donc... Générationnel, c'est tu domines 10 sur 15 ans. Il y en a fait 3 de fait. Ok. okay. <laughs> euh, Est-ce que tu avais collé, euh, toi, C.J. Stroud, Bryce Young là, dans le chat, ça en parle? Là. Toi, tu voyais-tu tu voyais C.J. Stroud ou l'année la, qu'il y a eu C.J. Stroud c'est une surprise ou non? Ou... Ben oui, c'est une surprise. Ben non, tu ne peux pas arriver dans la NFL péter tout de même. Il n'y a personne qui a prédit ça. Donc, on personne est d'accord que là, tout le monde veut avoir un CJ Stroud au prochain, arrière, euh, au prochain repêchage. Ouais. <laughs> tout le monde souhaite ça, mais c'est vraiment. C'est un miracle. Une équipe qui aspire à rien, pour pourrait, ça a pas d'allure. Puis en plus, il a perdu des bons ouais. receveurs avant et après la saison, pendant la saison. Ouais. Le gars était juste magnifique. Là. Je dis ça, c'est. Des saisons recrues de même, je ne pense pas qu'on va en revoir, pour être non. franc. C'était ben, l'enfer. Ils ont eu une game de série, en plus. Ouais. C'est non. C.J. Stroud, dans l'histoire de la NFL, c'est gros. C'est un, un corps recru qui arrive de même. Ah, c'est incroyable. Là. Moi, je n'avais jamais vécu ça. Là. Oh, puis là, le monde veut tellement le... Ils veulent tellement le trouver le prochain que je pense qu'on ne le verra pas d'ici 10-15. Ben, il ans, va s'en mais... repêcher 5-6 en première ronde à tous les ans. Hein, oui. Des gars prêts ou pas prêts, ils vont toujours partir de bonne heure. Et, Michael Penix, il a deux grosses blessures. Puis il va probablement sortir top 15 pareil. Puis ça va être le cinquième carrière arrière repêché. Oui, tout à fait. Puis euh, qu'est-ce que je voulais dire? Pour revenir aux Texans, qu'est-ce qu'ils font le fun aussi de l'organisation? Et, et, et... Il se déniaise dans le sens qu'il continue à améliorer l'équipe. Ben, moi, je te parlais tantôt de Pierce. Le monde va dire être un fan des Raiders. Euh, non, non, non. Donnez-en un, un Mais <laughs> de Michael Ryan, ça m'a fait. Oui. C'est un linebacker. Tout à fait. Il parle à ses gars dans le blanc des yeux. Puis les gars le respectent. Tu veux dire, lui, c'est un génie aussi. Il a oui. été de coach de l'année facile. Là. Il... C'est quelque chose de Michael Ryan qui est arrivé comme entraîneur-chef. Tu... Personne n'avait d'attente, es supposé finir avec deux victoires, autres, Oui, tout à fait. Ex... C'est extraordinaire. Et puis, oui, ils doit voir avec le coaching. Là. puis ils vont-tu répéter? Je... Moi, je suis content de ah, t'avoir. C'est parce... jamais sûr. Ah non, ça tu ah, peux non. Ah non, c'est jamais sûr. Mais moi, je, je suis content de t'avoir oui. parce que, en tant que coach, moi aussi, je pas à parler de coaching. Puis je pense que dans la NFL, le coaching est très, très, très important. Là. Puis euh, là, je pense. Parce que, que les gars ont vu neiger. Donc, tu sais, pour les convaincre d'embarquer dans ta patente, là, c'est pas juste, moi, le chercher chez tes parents quand t'as 17 ans, puis après, tu sais, je te groom. Non, les gars ont vu neiger, là, tu sais, ouais. ils connaissent ça. Puis s'ils t'aiment pas, ils t'aiment pas, c'est juste plate de même. Mais... C'est Il y a plein de clubs bourrés de talent, c'est juste, ils suivent pas le coach. Puis, euh, tu tu dans la famille? Moi, je suis genre de, dans le coaching, dans le, la NFL. Je... J'aime ai, mieux les coachs offensifs que défensifs. Là, on a parlé de Mick O'Ryan, mais je me demande si c'est un de temps en temps. Mais on entend beaucoup parler qu'un head coach, faut qu il ait, faut qu'il soit offensif parce que justement, la ligue est rendue là. là. Moi, si j'ai une position que je préfère pour un coach en chef, c'est joueur de ligne à l'attaque. Moi, j'irai avec ça. Donc, du côté offensif? Oui. Sinon, je n'ai pas de préférence les Dion Sanders peut être coach, coachs pas grave. mais si j'ai à choisir un joueur de ligne à l'attaque c'est les gars qui ont vécu la vraie fraternité du football mm -hmm. T'es cinq tout le temps peut-être plus si tu fais de quoi de bon, j'ai personne ne le dit. Si tu fais de quoi de mal, la terre tombe sur toi. C'est des vaillants, c'est vraiment des gars ils ont rien, ils ont le droit de rien faire par rapport à ce qu'ils affrontent. Puis, tu sais, c'est des... Moi, comme joueur, les coachs do j'ai vraiment aimé ça. ça c'est le fun. Tu sais, ils sont au centre de la guerre dans la partie la plus difficile. Hey, merci, la gang, dans le chat, d'être là. là. je Vous parlez beaucoup, mais c'est toutes des, des questions qui touchent un peu à mes questions aussi. On salue la mm -hmm. Duchesse qui vient d'arriver. Merci d'être là. Euh, DJMV, fan des Seahawks, merci d'être là. Moi je les vois euh, pas je... les questions là, fait, Non non mot. mais je, je, moi je les vois mais ça ressemble. À, euh, je t'ai envoie quasiment parce que c'est des questions que j'ai faites d'avance. que <laughs> mm -hmm. ça ressemble beaucoup à, les gens. Euh, la gang du chat me, me commence à me connaître. <laughs> Toi euh, un coach vivant non vivant actif pas actif tu te compares à qui Et Je compare qui à qui Toi comme coach. Ah non je Non je sais pas te quoi. C'est quoi ton style c est, c est... Tu sais, je veux dire, quand on parle de Vince Cochon comme coach, euh, Vince euh, très stratégique, euh, très, euh, très cheerleader. Euh, je sais moi, pas. Moi, je ne pense pas que je suis un bon entraîneur-chef. J'ai aimé mon expérience senior. Okay. D'autres moins. Euh, moi, j'aime beaucoup être coach de position. J'aime beaucoup être sur la ligne de mailing. J'ai coaché d'un boot, mais j'aime pas ça. Ben, j'aime moins ça. J'aime ça, mais j'aime moins ça. Okay. J'aime ça, dans le feu de l'action, quand un gars va mal, tu l'endresses, tu euh, t'assures que les gars continuent à donner de l'effort, même pas qu'ils prennent des devants dans game. J'aime ça, avoir la chance de dire à mon coordinateur défensif ou coordinateur d'unité si spéciale, mon feeling, puis qu'il va relayer le corps, il va me faire confiance. J'aime ça, voler des signaux. <laughs> J'aime beaucoup ça. Euh, Parce que pendant la game, c'est légal, c'est pas filmé comme Belichick. Les signaux sont là. Exact. T'es presque tes veux. Exact. J'ai facilité avec ça. Mais mmh. surtout, moi, j'étais un peu un relationniste. Moi, le, le plus fun de fun jeu à coacher, c'était avec Pat Bois qui est en train de chef à Garneau. OK. Parce que Pat ne pouvait pas coacher sainte mêlée, Il y aurait eu des morts. <laughs> qui était dans le boot. Okay. Fait que moi, tout ce que Pat disait, que ce soit le personnel, les signaux, moi je rentrais tout ça, j'ai vraiment j'ai tripé là. Ça, c'était le fun. Il fallait que je traduise, mettons, quand j'avais à parler à un joueur. Ça, c'est bon. Mais tu sais, j'ai jamais. À part une fois, j'ai jamais été en désaccord avec un de ces appels de jeu. Puis il y a des saisons, on faisait des fois 100 sna, snaps par game. Tu sais, c'était spread, no adult. Okay. On a mis de quoi spécial, là. OK. Et vraiment. On a fait des cliniques là-dessus, euh, ensemble, au State. C'est pas vrai. Ce gars-là devrait encore coacher. C'est juste que le, le Québec, il ne paye pas le coach. Patrick ah, bah, est devenu programmeur. Il vit sa vie. Tout le monde a des affaires à payer. mais Ça, c'était vraiment un gars spécial. Moi, dans ce rôle-là, avec lui, j'avais vraiment, vraiment beaucoup de fun. Ton top 5 coach en ce moment, head coach, ça serait qui? Andy Reid. C'est sûr. OK. Après? C'est pour... Genre de voir bon. Arba. Okay. ok. Comment tu. Comment... très fort. Dans ta division en plus. Oui. J'aime beaucoup. Euh... Oh, il y en a tellement plein. Hein. Puis, est-ce que. Là, as nommé Andy Reid. Est-ce que c'est aussi toute la gang d'entraîneurs ou qui tu. De... Qui tu... Non, tu non, non avais... je veux dire. Non, non, Andy mais je veux Reid, dire... c'est un génie. Là, ok. Les... Mais l'équipe qui aurait le meilleur coaching staff selon toi, c'est qui C'est les Chiefs. C'est les Chiefs aussi. Ok. Oui, mm oui. -hmm. C'est bon. C'est bon. Non. non, ce gars-là, il est vraiment, vraiment spécial. Tu sais, Mahomes, c'est un Jedi. <laughs> mais il ne ferait pas tout ce qu'il fait si non, non. Eddie Reed n'était pas là. C'est le football, c'est la logique, ça n'a pas le choix d'être ça. Toi, comment tu as trouvé Bell et chic, toi, avec tout ça? ou Je trouve va ça revenir? triste. Ouais. Je trouve ça triste, vraiment. Je trouve ça vraiment triste. Bill, c'est un gars authentique, c'est un gars vrai. Je dis oui, il a pris des mauvaises décisions dans un rôle, tout être pas le sien, mais ouais. d'un autre côté, tu sais, c'est. Peut-être le meilleur de tous les temps là. Je trouve ça plate que là il n'y ait pas de job. Mm -hmm. Peut-être qu'il n'avait pas à son goût non plus. Euh... Alors, en fait, je pense, souhaite... pense qu'il veut choisir. Je pense qu'il veut choisir. Ouais, non rendu... il... ouais, mais il n'y en a pas. Il a pas. Mais là on l'a vu à pas Washington. Pas c'est ce ben, stupide. Là. As tu as su ça Il est rendu à, il était à Washington dans leur camp d'entraînement. Mais c'est sûr. Ça, ça fait pitié ça aussi là. <laughs> Il devrait gérer un camp présentement. C'est Bill Belichick. Je trouve ça CAF, mais d'un autre côté. Il fait ce qu'il veut. C'est sûrement plus de sa faute que de la ligue, mais c'est quelqu'un de spécial. Ah oui, tout à fait. Il a dominé tout ce temps-là. Il y a un gars qui demande de l'argent, il dit Vas-y, Will Fork, va ten Richard Seymour, va ten Va-t'en, va ten va ten il reste tout le temps bon! C'est capoté ça. C'est un des seuls avoir fait ça dans les 20 dernières années. Dans le chat, il te demande ton top 5 quarterback en ce moment. Mahomes. <laughs> Burrow en santé. Après, c'est un pain là, tu sais, je veux dire, c'est. un ou l'autre. Ouais, hein. Je te dirais. Ouais, c'est pas facile, ça. Ben, moi, j'aime beaucoup Stroud. Je peux pas le mettre trois mais j'aime beaucoup Alan à Buffalo. Ce gars-là, c'est un Christy de Général. Ok, il fait des gaffes, mais tabarouette. Là. Je ne fais plus les Bills, là. Je sais pas pourquoi. Non, quoi. mais lui, il, il, il est quelqu'un pareil. Non, non, mais plus. je veux dire, qu'est-ce penses que... Penses-tu que... <laughs> je sais pas, le, le problème, c'est qu'il s'en mettait trop. C'est une des raisons. mais là... Ben, problème... Les Bills, c'était sûrement l'équipe la plus scrapante. Hein. Il y, y avait tellement de blessants en sais. Moins vraiment plus en santé, il aurait pu se rendre au bout. C'est une bonne équipe, les Bills. Mm. Tu as vu, euh, euh, ils ont quand même sacré Dix dehors. Je pense que tout le monde était d'accord. Oui, oui. C'est quand même bon. Mais dit, Ils perdent beaucoup de gars, mais jamais autant qu'on a perdu aux blessures l'an passé. Leur d est encore extrêmement fort. Quand ils ont perdu Milano, euh, ça pète mal. C'est un gros capitaine. C'est celui qui collent les jeux sur le terrain. Non, non, mais les bears sont quand même. Josh Allen, c'est quelqu'un. Je pense que lui, je le mettrais trop. Jordan Love, là, pas pour mettre le, au top 5, là, mais Jordan Moi, je Love, pense on... que Stroud est meilleur. On a beaucoup de fans des Packers. Jordan Love, là. Oui, euh... bon, il est bon, Jordan Love. C'est une belle progression, mais je pense que Stroud est meilleur. Ah oh, ouais, ok. Hé, hey, ça n'a pas rapport, Stroud, là. ce quelqu'un qui. Allô? Non, non, non c'est un phénomène. C'est un non, non, oh. Ça n'a pas rapport, là. <laughs> Non mais t'as raison. Non non mais, 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 mais c'est jamais vu là. Non mais tu as raison. Ben moi c'est parce que c'est une année là. là. On va voir la deuxième. Mais love c'est quoi? Moi j'étais un gars de trois ans. Oui, mais love c'est une année. Ouais mais ben, il a été trois ans. Ben oui. imagine l'autre après trois. Ben, c'est ça, ça que je souhaite. Mais... C'est ça. ça que je souhaite. C'est ça que je souhaite. Je le mets avant. Voyons, pis... Oui, oui. Non, mais t'as raison. Hey, chaque... La première année, il était poche en tabarouette. Ah, là, il, était, était... C était... C était il était poche correct, en début de saison l'année passée puis... aussi. Il était poche. Wow. Là, il était okay. poche. Là, Lafleur, soit qu'il perdait sa job ou il voulait le mettre dehors. Il y a eu tout un revirement à Greenway. Ouais. Il y a une bonne équipe. Là. Stroud, c'est autre chose. part ça. Vas-y. Mais pas toi là-dedans. Non. C'est Qu -ce, quoi ta réaction face à, aux gauchers? J'entends à télé, là, ah, les quarterbacks gauchers, ça n'a pas C'est quoi ce... Des coachs cette -là? différemment. Tu sais, que ce soit au mesh, la, la remise au porteur, que ce soit sa première lecture, c'est tout est à l'envers. Mm -hmm. Fait que si tu pas un gars capable d'adapter les choses à ce gars-là, ben, déjà, tu es nuit. Après, ton right tackle devient quasiment plus important que ton left. Oui, parce que, que ça devient le blind side, le right tackle. Si on veut. C'est ça, c'est ça l'affaire. C'est ça. C'est une question de coaching, mais si tu es à l'aise avec ça, il n'y a, a pas de différence. Puis euh, tantôt, tu as sorti un mot, puis ça, ça tombe bien, sur le pote parce que c'est une question que j'arrêtais pas de me poser l'année la, passée, parce que pendant la saison régulière, les dimanches matins, euh, je fais des shows de, de, de 10 à midi. Donc, euh, si jamais ça te tente, tu te lèves à cette heure-là on verra. Mais euh, les blessures, là, pourquoi il y en a tant, là? C'est-tu vraiment, là, les terrains? C'est-tu de la surentraînement? C'est-tu du monde qui ne s'entraîne pas? C'est quoi ce phénomène-là? <laughs> il n'y a, a sûrement pas de gens qui ne s'entraînent pas dans ce Non, dégo. non, non, mais… À part non, mais... Johnny Manziel, là, la personne ne s'entraîne <laughs> pas. t'as tu as là. raison, mais c'est-tu le la surentraînement? Qu'est-ce qui se passe? Là? Là, Puis, on, on voit de plus en plus des, des, des blessures non-contactes aussi. La surface, c'est pour beaucoup, je pense. Ouais. Euh, le turf, ça mord pour vrai. Puis maintenant, ben, tu n'as plus vraiment le droit de plaquer haut, euh, en haut des épaules, parce que si ton casque accroche l'autre, ben, c'est pas un 15 heures. Mm -hmm. fait que les gars, ils chopent les genoux et partent avec les hanches. Et... C'est sûr que des. Pour vrai, un genou, c'est fait moins fort qu'un haut du corps, là, soyons francs. C'est vrai. Donc, la game a changé à ce niveau-là aussi. Euh, pas oublier que c'est pas des humains comme vous et moi. C'est des gens spéciaux. Mm -hmm. C'est des mutants. <laughs> ils sont de plus en plus. Donc, la NFL même va prioriser un athlète qui est plus ou moins bon au foot. Il dit Le Menemole, moi, le coaché, ça va prendre trois ans, puis oui. ça va faire ce que ça fait. C'est ça. Les autres, ils misent là-dessus, ils ont raison, ils font de l'argent. C'est c'est pas des pas du monde comme nous autres. Là. Non, non, non. Donc, c'est. C'est c'est des machines. Moi, je du... trouve pas qu'il y en a vraiment plus qu'à faire. Non. non, elles sont différentes. OK. Euh, puis, il, y a euh, il y a terme, plus hein. d'argent dans le sport, donc quand tu es commis à un gars euh, une année ou six ans, tu ne le gères pas pareil. C'est plein d'affaires de même. Là. Mais, les gars sont plus vite, plus gros, plus forts, plus tough que jamais. On a, parlé de, euh, on a parlé de Vegas, tout ça. On a eu l'histoire. J'en ai parlé un peu avec Stéphane Cadorette aussi. là euh, L'affaire, le, le scandale Otani, le gambling, tout ça. Est-ce qu'on on va commencer à être un peu inquiète aussi dans la NFL ou est-ce que les scandales qu'on a vus au, en Europe avec le soccer, est-ce que tu penses de plus en plus ouais, ça va s'en venir ici? Là? La NFL, davantage, est inquiète absolument tout. C'est okay. la jungle. Je veux dire, c'est malade. C'est 55 gars. T'as-tu vu ces gars-là? Tu vois toutes sortes de gars là-dedans. Tu tu, c'est la beauté du football. 5-7, 180, avec 6-6, 3-30, tous contre les deux, tous pour un but commun. Il y en a qui sont nés riches, d'autres très très pauvres. C'est des gars de toutes les sphères. Le gambling, c'est une infime partie de leurs inquiétudes. Là. OK. Mais c'est sûr que c'est là. Mm -hmm. D'un autre côté, 1 sur 55 a moins d'impact que 1 sur 5 ouais, ouais. que 1 tout seul. Ouais, ouais. Donc à ce compte-là. Un joueur de tennis, par exemple. <laughs> à ce compte-là, le foot, ouais. ils ont d'autres problèmes à gérer pas mal. Euh, Burger Time, un fan, euh, un fan des Packers, il dit que ses Packers vont être meilleurs que tes Raiders. Probable. Je <laughs> souhaite. Comme tu vois tes Raiders, que une première, je en sais pensant on... À, on nous a cette année. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je me dis pas qu'on va être bon Je dis juste qu'on va faire mal à du monde. Ça, j'en suis convaincu. C'est très bien dit, ça. C'est très bien dit. Dernière game que les champions ont perdu, c'était chez eux, à Noël. Ils ont fait 9 points. Puis, Mahomes, il y avait des larmes à la fin. Il n'y avait pas de fun. Puis je dis pas qu'on va battre tout le monde à cause de ça. Je dis juste que, we're back. Il va falloir que je Tony. Oui. We're Raidering again. Oh yes. Je vais acheter un chandail de Wilkins des Raiders. Je vais des Raiders. Mais oui, les Packers, ils vont être bons. Ils sont bons, les Packers. Ils ont eu 8 victoires, 9 défaites l'année passée. Est-ce que c'est. Je veux dire, comment qu'on. Comment c'est quoi le thinking à Vegas? Ben là, est-ce que c'est comme toi? On se bat. Tu te débarrasses vite du singe en disant McDaniels puis l'autre cave ne sont plus là tu je veux dire t'es es, l'équipe que Pierce avait ok simplement les là-dessus mais t'es encore un des deux trois meilleurs receveurs de la business es un des trois meilleurs défenseurs de la business un des trois meilleurs joueurs de ligne défensive intérieure de la business ça commence à être le fun tout à fait tout à fait tout à fait il euh, y avait une autre question c'est quoi ah euh... oh, oui le hip drop tackle ouais Là, en tout cas, ça, ça s'est parlé dans la rencontre des. dans le, le, le cong, leur meeting annuel, là, mais c'est pas officiel que c'est une pénalité. Ça reste des. Ça reste des, des amendes, peux-tu nous? Ils vont cacher ça dans, dans, dans le roughing. Ça fait Puis, pas partie de l'arbitrage. Oui. Okay. Mais ça va être un gros call. Okay. Donc il va falloir que ce soit flagrant. Hein? Je pense que chance de football, là, il n'y a, a pas beaucoup de gars qui fake. Fait que on arbitre souvent avec la conséquence. OK. Donc si le gars passe moins de au travail avec son shoulder pad, là, sans tirer vers le bas, il, il devrait être correct. Il peut rap et le tirer après, mais faut il faut qu'il contact avec le pad avant euh, ou le casse. Mais l'arbitre va le voir? L'arbitre va le voir ou ça va être difficile? Mais si tu drag vraiment, puis le gars, son genou il plie, et puis sais, c'est pas chic, il échappe la balle, il, il miaule. Là, ça va être comme un defensive pass interference avec conséquence. Ils vont le coller. C'est juste, c'est plate, mais c'est ça. Mais j'ose croire que ça va être géré de belle façon. Ça va être faut aussi grave qu'un roughing, qu'une rudesse excessive. OK. OK. Uh, Big Will, c'est un fan des Chiefs. Il a dit, fuck Max Crosby. Euh, Je suis désolé. Je te comprends, mec. <laughs> Puis euh, le fameux joueur de rugby pour Kansas City, en as tu as-tu entendu parler, lui? Oui, quand même. Lui, euh, il est très, très rapide. OK. Euh, Puis il va sûrement être plus rapide avec un petit ballon qu'une grosse pastèque. Parce que, tu sais, ça peut... Ça... Mais le problème, c'est que il y a un casque, des pads tout. Là, tu moins vite dans ce temps-là qu'en équipement de rugby, qu'il n'y a pas d'équipement. Euh, il y a plein d'affaires à regarder là-dedans. Moi, je vais le juger la première fois qu'un euh, chien enragé passe au travail des deux genoux. S'il s'en relève, il me fait une course de 15 verges après, j'en bats. Mais c'est pas le même sport. là. Non, c'est ça. Mais il y a vraiment la vitesse pour compétitionner. Ouais, ça, ça il y a, a les changements de direction aussi. Ouais. C'est très technique. Il, y a, pas, il, y a, pas, il y a joué un peu de foot, mais tu sais, on mais se a, comprend. Là. Mais il y a l'attitude, comme tu as dit. On va le prendre puis on va le coacher, surtout à Kansas City. Là. Ah, tout à fait. Ça, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Les autres, ils, ils gagnent des Super Bowls avec des no-names porteurs. Ils sont corrects. Ça vaut la gang... peine. La, la gang dans le chat, il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez une dernière question. Moi, j'en ai deux dernières. mais Merci de votre. Je sais que vous êtes tous tranquilles. Là. Il y en a deux ou trois qui crient pas mal. Là, mais ouais, je il faut que, que j'aille me coucher, c'est vrai. <laughs> mais on va tester ta mémoire parce que tu as vraiment une bonne. J'adore. Tu as une bonne tête de sport de toutes. Tes trois Super Bowls. Ça a été gagné quand? Euh, 83. Euh, Avec qui comme coach? 83, ça devait c'est Tom Flores. Exact. Contre qui? C'était euh, Black Sunday contre les Eagles. Non. 83, non. C'était Washington. Ah, oh ben oui, oui, c'est la ben oui, game à Marcus Allen, excuse-moi. 38 à 9. Black Sunday, c'est lui d'avant contre Ron Jaworski, puis les Eagles, à Black 80. Sunday. Ouais. Puis l'autre, c'est 77. Avec John Madden. Mais oui. Contre les Vikings, qui ont, pas, qui ont participé à quatre Super Bowls encore, mais ils n'ont pas gagné. Ouais. Kirk Cousins, comment tu le trouves? Euh... Est chanceux. <laughs> bon négociateur aussi. Oui, mais tu sais, la boule, elle sort pareil. n'enlèverais pas ça. Mais... À un moment donné, ça, 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 ça témoigne d'une certaine carence, une pénurie de corps partant. Mais tu sais, lui, il gère. Là. Il peut jouer 5 receveurs, un toute la game, puis il va passer du 400 verges. Tu gagnes ou tu perds. Mm. Il, il est capable. Il, il est capable. Il, il gère une ligne de mêlée. Je le vois euh, comme un Kurt Warner un peu moins glorieux. Ouais. J'ai bien hâte de le voir, mais il s'en va dans une division quand même. Assez faible. Mm -hmm. Josh, la perte de Josh Jaco, euh, Jacobs, ça, ça a fait quelque chose, hein? Ouais, oh, vraiment, c'est un vrai Raider, ça, et c'est un vrai tough. Mais qu'est-ce qui s'est que passé? Parce que je pense que la semaine avant. Ben, c'est Pierce... que les Packers offraient une année de plus, puis un million de plus. Ok. Puis, euh, ben, les Packers, c'est quand même une belle situation. Mais je sais C'est lui qui a choisi. Je pense que les love des Raiders c'était belle, mais tu sais, c'est un gars, c'est un stand-up guy. Là. Jacobs en santé, c'est top 5 NFL, c'est sûr. Et, et le gars dormait dans un char à 12 ans. Là, il ne vient pas du même milieu que nous autres. Ouais. Vraiment un gars qui a, a peut-être mérité tout ce qu'il a eu dans la vie. Là. Chaque verge, c'est vraiment. Un, il brise beaucoup de plaquets. Très bon en bloc. Ouais, non, moi j'adorais George, J Jeff Jett. les porteurs, c'est ça. Il ne faut pas que tu t'attaches. Il y a Big Will, là. salut, salut. Salut, il faut que faut, faut j'imite. C'est ça que tu faisais les midis. Salut, salut. Ouais, mais ça, c'était plus de bonne. <laughs> c'est bon, ça. Ça, c'était plus de bonne. C'était mon boss, c'est ça. C'était euh, autour de 10 h mon écart. Ok. C'était quoi? Ouais. Excuse-moi. <laughs> c'était ouais, quoi? C'est salut, salut. C'est toi qui disais ça? Non, c'est pas moi. Ça, c'est okay. euh, un extrait que JC avait pogné. Euh, okay. C'était quoi son nom? Euh... Et moi, le showbiz québécois, là, je ne suis pas fort, mais. Okay. C'était tellement drôle. Parce qu'on lisait les textos qui rentraient parce qu'on prenait la place dans le show. Puis... C'était des salutations. Mais... C'est une mais... chanson, ça, le, le jingle était horrible. Okay. Okay. Marie-Hélène Tiber, hein, Chante okay. salut, salut. Okay. Okay. Il <laughs> m'en fait encore parler, c'est pas pire. C'était pas pire d'idée. T'as l'air d'un gars qui. Le futur, c'est un jour à la fois? Ou comment ça, ça se passe là, chez toi, professionnellement? ou? ou... Oui. Euh... Il n'y a pas de projet? Il n'y a rien qui. Des... Je vis la vie de rêve. Là. Je, veux dire, moi, je ferais la même affaire si je faisais pas ça dans la vie. Tu sais. ah ouais. Je suis du sport, euh, par le sport avec les chums. Euh... Je de garder ça le plus simple possible. Ouais. Hein? T'as une famille? T'as des enfants? J'ai une fille. OK. Puis, euh. fais Elle fait-tu du sport? Elle <laughs> pas mal tout essayé. <laughs> elle embarque au soccer cet été, je me suis offert pour coacher. Euh. Quel âge qu'elle a? Excuse. Euh, elle va jouer dans le U9. Elle va ah, okay. avoir. Ouais, ouais. Ok. En tout cas. Wow. Euh, rapidement, comment tu. Euh, comment, tu euh, comment tu vois la prochaine saison? Ou là, t'es-tu es, es focusé pour le draft? Comment? Tu. tu. T'es-tu le genre de gars qui va se faire un mock draft seul ou tu suis ça? Ou... Ben, je le faisais avec vous autres, là. Ouais. je trouvais ça le fun. Chacun ouais. son équipe, moi je tripais, mais ça ouais. a disparu. Sinon, non, je checkais avec des chums, là, comme j'ai tout le temps fait. J'aime bien checker ça avec mon chum Laurent Gaulin, gros fan des Ravens. On va souvent chez eux. Sinon, okay. c'est chez nous. L'an passé, j'ai fait ça chez nous. Est-ce qu'on va voir pas mal de. Est-ce que c'est ça qu'on va. On va voir pas mal de quarterbacks, là, les. Ah, c'est sûr, c'est sûr qu'il y avait 5-6 première rondes, oui. Cette année, là. Toujours la déchéance. Puis notre Jeff Quentin, là, il a connu un bon pro-day, il semblerait. Il va-tu se faire repêcher, tu penses, ou... Moi, je pense que c'est un gars qui peut jouer sur une unité spéciale en partant. Ouais ben c'est ça qu'ils ont... Il a toujours été très fort ces teams, Jeff, là. C'est sa valeur ajoutée, il semblerait, Il a toujours pris ça au sérieux, oui, vraiment. OK. C'est un stand-up guy, c'est juste c'est un moment donné, est, même s'il n'est pas repêché, moi je pense qu'il va avoir sa chance, mais je pense qu'il va être repêché. C'est vraiment un, un gars spécial, bon gars, pas tourné aucun coin rond. On est bien fiers de Jeff. Excellent, excellent. Il arrive, il y du Cégep Garneau qui euh, il a, il a joué pour Syracuse, puis là après ça, il a fini à, à Memphis. Il a transféré, euh, à, ouais, à, euh, un secondaire qui, justement, comme tu viens de mentionner, euh, très, très utile dans les unités spéciales. Ah, puis il peut bloquer aussi là, sur ouais. les retours de beauté. C'est il il tout faire ce que tu demandes. 6 pieds 3, 230 livres. Semblerait il semblerait qu'il y avait 25 équipes à son Pro C'est normal. Il a tout fait ce qu'il fallait pour avoir ça. Excellent. excellent. En rafale, les champions de division. Vite, vite. Une, une ah. tôt pour prédire. Vite, vite. Ah. C'est bon. pochant. Hein? Puis euh, je suis désolé, on ne fait plus le mock draft des fans parce que. Ça me prenait beaucoup de temps, puis les gens qui ne savent pas, euh, c'est quand même dans les archives là, du site, là. mais on était, je, là il semblerait qu'il y a un autre podcast qui l'apprend, mais euh, on est allé jusqu'à quatre rondes, c'est rare qu'on faisait ça, moi, mais, c c le fun. mais ça m'a pris beaucoup de temps, peut-être je vais la placer. <laughs> ça m'a pris beaucoup de temps euh, de le faire, euh, moi qui est perfectionniste, je voulais tellement bien présenter ça. C'est sûr que la dernière saison, la perte de notre ami Étienne, ça, ça nous a fait mal. Là. Mais avoue que je te servais ce show pareil. Là, je t'envoyais ça. Là, je botchais pas. Ah oh, non, non, mais ben, tout le monde était sérieux. C'était incroyable. Là. Puis là, <laughs> là le, le problème, c'est que là, les, vous, vous avez tellement pris ça au sérieux. Il y en a après un échange parce qu'on commençait, vu que ça. Vu que ça prenait du temps pour le faire puis ça prenait quatre ans, là il y avait des échanges, puis là l'ordre changeait. Ah, c'était ah, toute une génération. Ouais, les trades, c'est peut-être un peu too much. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu veux-tu prédire ou tu veux pas prédire avec ton casque? Je pas bon, prédire. La seule chose pas... que je vais prédire, c'est qu'eux autres, it's, it's ils vont the... faire du trouble. Ah, yes, sir. Yes, sir. Et tirez-vous comme il faut, hydratez-vous. Hey, t'as été incroyable, Vince. Je sais pas si t'as aimé ça. Puis, j'étais oh, un, un peu nerveux. Parfait. Que je... Fait que, euh, un gros merci. Puis, euh, euh, donc, toute la gang. Je vais te laisser aller, Vince. Puis, je vais te remercier par écrit. Oh, ouais, faut que j'aille que... me coucher, là. Fait... <rire> <rire> non, non. non, mais pour de vrai, tu te couches pas, là. C'est sûr que non. <laughs> Oui, ben parce qu'il y a la finale à soir là. Ben oui, je manque pas ça. Euh, ça fait. Ça fait. Depuis que j'ai euh, 14 ans, je tire ça à 12 ans. Est-ce qu'on va voir du, du basketball à Montréal avant, euh, avant le retour des Nordiques? Ben, la NBA, c'est quand même gros, là. Ou des expos. Oui. <laughs> Montréal, c'est une, une grosse ville, mais la NBA, là, c'est. La haute voltige, là, ça, prend, ça prend des gros reins, là. C est, c est... Faut que tu danses avec ces gars-là. Moi, je pense que Montréal sont capables. C'est juste que la cohabitation avec le Canadien, on n'est juste pas sûr. Ouais. Puis, moi, je suis le Canadien, je veux pas vraiment que quelqu'un s'installe au centre Bell, là. avec moi. Là. Pis, je euh, pense que pour tout ce qui gère le centre Bell, là, ça t'enlève beaucoup de chaud. Ouais. La place belle maintenant, je comprends ça. Je dis pas que c'est impossible, mais ça va prendre des choses qui sont juste pas là présentement. Là. Et il va... Ça va prendre des gens de connivence, ces deux grosses patentes. Exact. Tu euh, suis-tu la nouvelle ligue? Euh... Aussi des filles au hockey? Pas vraiment. Non. Je me tiens au courant, mais euh, je... pas vraiment. Euh, States Canada à soir, le... mettez un coup d'œil là-dessus, c'est le championnat du monde, c'est ouais. pas en finale, mais c'est le match de, de poux. Mais vous donnez... non, non, je... non. Ben, moi, quand je l'impression que les gens s'intéressent vraiment à ça, je embarqué embarquer les autres. Je suis ouais, là ouais. pour le monde, là, puis au venir au basket, t'es-tu NCA ou NBA? Parce que là, c'est Marchman. Les deux ont leur force. C'est comme je te dis pour la NFL, la NBA, c'est pas des gars normaux. C'est pas. Ça marche pas, là. T'es des gars de 7 1 articulés de même. Quand t'es 7 et 1, t'es supposé avoir de la peine à marcher. C'est vraiment assez spécial. Wemby à San Antonio, ça n'a pas rapport. Les gars qui arrivent, ça. Yo, Keith, tu es comme tabarouette. Non, c'est pas des. Mais la NCAA, il y a... la NBA ne pourra jamais avoir les atouts qu'ils ont. Mm -hmm. C'est vraiment de cœur historique. Tu sais, il grand-papa, grand-papa, maman, tout le monde dans les estrades, ouais. tout le temps. Ça, ça tu sais, l'appartenance est tellement forte. Ça, la NBA ne pourra jamais avoir ça parce que c'est une business. Puis il n'y a rien qui va battre les petites gyms de college basketball. Wow. Tu sais, aller à Cameron Indoors voir Duke, tu sais, je sais okay. pas. L'NB ne va pas te donner ça. Elle, elle ne peut pas. Donc euh, c est, c est... Chacun a une force. Hey, t'es incroyable, Vince, la, la connaissance que t'as. C'est pas pour rien qu'on t'appelle Monsieur Sport de Québec. Je connais pas ça, j'aime ça. La seule fois, non, non, mais tu le connais. C'est ça. Ah, mais... <laughs> t'es hey, mon deuxième, je pense, parce que je, je pense qu'on n'a pas beaucoup de raiders. Le, le dernier Raiders qu'on a, fan des Raiders, il a changé parce que c'était un fan des Browns. Il a changé pour les Raiders. Tu sais, avec ah, l'affaire ouais, hein. de, de Sean Watson, il a quitté ouais. les Browns. Ben là, il est revenu à ses anciennes amours des Raiders. Bienvenue dans la famille. Fait que, ouais. euh, un gros merci, Vince. Euh, je vais faire mon têteux comme Guillaume Lepage. Je te donne une carte chouchou. Tu peux venir <laughs> quand tu veux. Euh, un gros merci. Ça a été formidable. La gang a super apprécié. Je vais te laisser oui. aller pour, pour finir la, aller te coucher. Puis moi, je vais saluer ma gang. <laughs> puis... C'est bon. Puis euh, un gros merci. Puis on, on s'en reparle dans le chat. Au plaisir, Tony. Salut tout le monde. Hey, merci beaucoup. Salut. Bye. Bye, bye. C'était. C'était notre ami. Notre ami Vince Cochon. Incroyable. Un gros merci. C'est le fun. Avec un petit accent québécois en plus. <laughs> moi, l'italien manqué ici. Hey, la gang vous a été formidable. Il est déjà 8h30. On va se laisser là-dessus. Euh, Je pense que notre ami... Restez avec moi. Je pense qu'on est une bonne gang. On va aller raider. Euh, je pense que notre ami DJ Pete est là. Là, qu'est-ce que j'aimerais que vous fassiez? C'est que vous allez voir DJ Pete, euh, puis euh, pour le raid, euh, puis on va... Euh, la dernière fois, il n'y avait pas mon ballon. Fait que là, vous allez lui demander, il est où le ballon de la Blitz en effet? OK? <laughs> fait que, euh, on, va, on va le raider là-dessus. Donc, un gros merci à toute la gang. La semaine prochaine, le 15 avril, on est là. Lundi prochain, 19 h on va continuer. On va être à quelques semaines, on va être à deux semaines du repêchage. Le 22 avril, notre ami Wallet va être avec nous. En tout cas, j'ai tripé avec Vince Cochon. Je suis content. Je sais, il y en a d'entre vous dans le privé qui disaient hey, allez le voir, Vince Cochon Il y en a qui m'ont parlé aussi d'Arnaud Gascon euh, Nadon. Euh, Nado. euh, j'ai écrit un courriel, l'abri, j'ai écrit un courriel, ils ne m'ont pas répondu, mais je sais qu'il était occupé la semaine passée. Il était dans les, je pense, les combines de la Ligue canadienne. En tout cas, il est, notre Arnaud, il, 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 il est occupé. Je l'ai invité pour lundi prochain, s'il peut venir. Mais j'espère que vous avez adoré. Euh, il est un gars extraordinaire. C'est le fun. C'est des petites victoires pour Tony Le Blitz. Des petits invités de même, ben, des petits invités, des gros invités, mais je veux dire, un petit grand nombre d'invités. On commence à se bâtir. Je sais, j'aimerais ça en avoir, je vous le dis tout de suite, j'aimerais ça en avoir plusieurs, mais comme vous voyez, ça prend de la préparation. Je veux pas, euh, tu sais, surtout à soir, je parlais avec un gars comme, euh, comme Vince, un animateur, fait que j'étais un peu nerveux. <laughs> fait que, euh, mais ça prend beaucoup de préparation, puis je veux être sûr, quand j'ai un invité, je veux pas qu'il soit garoché. puis euh, comme vous voyez, il y a l'aspect technique, tout ce stress-là, mais petit à petit, on commence à je commence à bâtir une certaine communauté qu'on va espérer qu'ils vont venir les lundis, les dimanches matin pendant la saison régulière. Mais en tout cas, un gros merci de votre, votre, votre présence ce soir. On salue les gens qui nous écoutent en rediffusion. Euh, donc, merci. Euh, merci toute la gang. Merci à Burger Time qui a offert un abonnement communautaire. Euh, je ne me souviens plus à qui. Euh, donc euh, merci aussi à la Brique, c'est euh, réabonné. C'est un des premiers abonnés aussi. Ça fait 39 mois. Donc euh, je disais tantôt 2-3 ans, mais ça va faire quasiment euh, ça va euh, ça, 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 fait, euh, ça fait plus que 3 ans <laughs> 3 ans et 3, euh, 3 mois, c'est ça? Euh, Sexy Jimmy également qui a renouvelé son euh, abonnement avec Prime. Donc un gros merci de votre soutien, de votre écoute, merci au modo. Merci Sexy Jimmy. Merci Labri. Euh, donc, euh, on s'en va raider. Je vais préparer le raid à, euh, à DJ Pete. Restez avec moi. C'est important pour les streamers. C'est une façon d'encourager. Puis on amène du monde. C'est un grand ami DJ Pete. Le fameux Pete, le DJ à Céline. genre Marc Parent, Marc Dupuis. Il fait la technique à la voix, à la télé. Et aussi, quand ça y tente, c'est le DJ à Tony Le Bitz aussi. <laughs> Donc, on va préparer le raid à l'instant. Fait que d'ici là, j'espère de voir. Euh, j'espère de voir la semaine prochaine. D'ici là. Euh, d'ici là, soyez prudents. Ayez une bonne semaine. Euh, moi, je suis retourné en enfance. En fin de semaine, j'ai écouté WrestleMania, la lutte. Je voulais peut-être en parler à Vince, mais il y avait tellement de choses. Mais <laughs> j'ai écouté la lutte en fin de semaine. Je suis retourné en enfance. J'ai adoré ça. Donc, euh, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez sages, soyez prudents. Je vous aime. Merci de votre soutien. Vous êtes incroyable. Puis on se revoit la semaine prochaine, sans faute, à 19h, heure de Québec. Fait que restez avec nous, puis allez saluer DJ Pete. Merci, toute la gang. À bientôt. Salut amateurs de football, vous êtes avec la gang de Le Blitz NFL, le groupe de passionnés québécois qui commente les dernières nouvelles de l'univers du football américain. Venez nous voir sur leblitznfl.com.